Alors bonsoir, est-ce que j'ai du son? Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, comme vous en avez pour certains et certaines d'entre vous l'habitude, c'est le moment du mot d'accueil. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Mathieu Desborbes, je suis votre animateur ce soir au nom de l'INM et de la ville, donc l'Institut du Nouveau Monde et la ville de Saint-Lambert. Il me fait plaisir de vous accueillir ce soir. J'ai juste donc, de vous accueillir ce soir pour la dernière période de consultation sur la refonte des outils d'urbanisme de la ville de Saint-Lambert. Donc, il y a eu deux séances précédentes auxquelles je vois plusieurs visages que je reconnais, là, auxquelles plusieurs personnes ici ont participé. Ce soir, il n'y a pas de présentation de contenu. On prend simplement vos questions, commentaires sur la refonte des outils d'urbanisme. Il y a du contenu en ligne. Donc, tous les documents sont déposés en ligne, les deux PowerPoint des deux dernières séances, donc la séance du 7 et du 14 juin. Également, les captations vidéo des deux séances se retrouvent disponibles par la page web de la ville de Saint-Lambert. Donc, vous avez remarqué également ma collègue qui est venue me passer la dernière liste d'inscriptions. Donc, Mme Marie-Annick Gagnon qui est avec moi ce soir, l'équipe de l'INM. C'est elle qui vous a accueilli. Donc, elle est là pour compiler vos questions et commentaires, prendre des notes tout au long de la soirée. Comme on l'a dit, on le répète, l'INM va produire un rapport neutre, indépendant, sur la démarche de consultation dans le cadre donc, de cette refonte des outils d'urbanisme. Le rapport en question sera donc publié. Il est vraiment basé sur vos questions, vos commentaires et la réponse qui en est faite par la ville, essentiellement par la ville. Donc, c'est la dernière séance de trois. Donc, la séance d'aujourd'hui concerne à la fois la matière qui a été présentée le 7 et le 14 juin, pour ceux qui étaient là. De façon générale, les questions, commentaires que vous nous adresserez, en autant qu'ils concernent les outils d'urbanisme de façon large, ils seront accueillis, en autant qu'on est sur le sujet, bien sûr, ce sujet-là des outils d'urbanisme, donc plan d'urbanisme, et les quatre règlements, le kit de base des quatre règlements de zonage, lotissement, construction et permis et certificat qui viennent avec. Donc, tant qu'on est sur ce sujet-là, ce sera accueilli et ce sera écouté et répondu le cas échéant. Donc, voilà pour l'ouverture. Sans plus tarder, je vais passer la parole à votre mairesse, Mme Pascale Mongrain, qui va vous adresser pour une dernière fois de ce cycle de trois séances ses mots de bienvenue. Mme la mairesse, c'est à vous, si vous voulez peut-être venir ici ou... On vous entendra pas sur la vidéo, mais... Oui. Merci. Alors, merci d'être là de nouveau pour ceux qui reviennent pour une deuxième ou une troisième fois. Et bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Alors, je vais redire l'introduction que j'ai faite hier et la semaine dernière à l'effet que le travail qu'on a fait depuis quelques mois, c'est de travailler sur un projet de refonte de notre urbanisme et de notre zonage, principalement. Alors, notre ville doit se conformer au schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil, qui est entré en vigueur en 2016 et qui est l'équivalent d'une loi à laquelle on doit se conformer comme ville liée à l'agglomération de Longueuil. Le schéma d'aménagement de Longueuil prévoit des éléments de densification dans notre ville et toutes sortes d'autres mises à jour en termes d'urbanisme et de zonage. Le schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil, donc adopté en 2016, découle lui-même d'un plan que le gouvernement du Québec a prévu pour l'ensemble de la province en 2010 et la communauté métropolitaine de Montréal a dû préparer pour la communauté métropolitaine de Montréal en 2014 un plan. Et c'est de là que découle le schéma d'aménagement et ensuite notre devoir d'avoir un plan d'urbanisme à jour. Alors, on est obligé de faire la refonte de l'urbanisme et on est en retard pour le faire. Ça fait deux fois qu'on demande à la ministre des Affaires municipales de nous accorder un délai pour finir notre travail de mise à jour de notre règlement, de notre plan d'urbanisme. Alors là, on a vraiment le goût d'aboutir, on a vraiment le goût que
la refonte se fasse, même si elle ne sera pas parfaite, c'est certain. Il y a déjà, à partir du projet, là, des idées qu'on aurait voulu incorporer, mais c'est un immense travail qui a été commencé il y a 2 ans, puis qui a nécessité de faire un sprint au cours des 6 derniers mois. Alors là, on a un projet de plan d'urbanisme et on le soumet à la population. Et on a reçu des commentaires mardi soir dernier. Hier soir, on va vous entendre ce soir. On a rencontré des groupes d'intérêt comme le Conseil des aînés, comme les architectes qui sont actifs dans notre ville, comme les promoteurs qui sont intéressés à redévelopper certains terrains dans notre ville. On a rencontré le réseau éco-citoyen. On a aussi rencontré les commerçants après-midi pour entendre, et la Société d'histoire Mouille-Pied, pour avoir le pouls de ce que vous, les citoyens, pensez de la proposition qu'on a faite. La proposition n'est qu'une proposition, alors il ne faut pas être fâché s'il y a des affaires là-dedans avec lesquelles vous n'êtes pas en accord. On a proposé ces choses-là sur la base de certains critères, de certaines affaires auxquelles on a pensé. Mais c'est sûr qu'on n'a pas pensé à tout. Alors, c'est tout à fait correct si vous nous faites penser à des choses qui feront que d'ici 3 semaines, on apportera certaines modifications, certains compromis à la proposition qu'on a faite le 16 mai et dont on a mis les documents sur le site Internet. Alors, le 11 juillet, on va avoir une séance extraordinaire du Conseil municipal et c'est là qu'on adoptera le règlement dans son ensemble, avec les compromis et les modifications qu'on discutera entre vendredi le 17 juin, puisque c'est là la fin des consultations, et le 11 juillet. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je devrais dire, mes collègues? Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? C'est bon, alors on commence. Merci beaucoup. Merci, Madame la mairesse. Donc, j'aimerais aussi vous présenter Madame Annick Fortin, qui est ici, donc, à droite par rapport à moi quand vous regardez par ici, qui est la directrice du service de l'urbanisme de la ville de Saint-Lambert, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Pour toutes les questions techniques, c'est à elle que j'adresserai vos questions. À sa gauche, dans son sens, à elle, monsieur, là c'est mélange, je m'excuse, mais donc complètement de l'autre côté par rapport à moi, monsieur Jasmin Savard, directeur général de la ville de Saint-Lambert. On a aussi quelques élus présents dans la salle, qui sont là. En fait, le rôle des élus ce soir, c'est de vous écouter, c'est d'observer ce qui se passe et puis d'en prendre acte pour la suite du processus, donc d'accueillir vos commentaires et d'agir selon vos besoins exprimés. Comme certains d'entre vous le savent déjà, l'Institut du Nouveau Monde est donc l'organisme en charge de la conduite de cette démarche. Je l'ai dit, l'Institut du Nouveau Monde est un organisme à but non lucratif qui est indépendant de la ville, qui est là donc comme tiers neutre dans la démarche. Le but de l'INM, c'est d'encourager la participation et donc, entre autres, d'éduquer à la citoyenneté. Donc, c'est aussi par la participation citoyenne que ça se passe. Je vais tout de suite vous présenter quelques règles de participation. Je vais le faire sans support. Habituellement, on a un PowerPoint, on n'a pas ça ce soir. Donc, ce sont des règles, pour ceux qui étaient là aux séances précédentes, vous êtes très familiers avec ces règles-là, qu'on s'engage mutuellement, vous et nous, à respecter tout au long de la soirée. Il s'agit d'abord de la brièveté et d'intervention directe. Vous êtes quand même relativement nombreux ce soir, moins que les autres fois, mais relativement, les interventions de tous et toutes sont pertinentes. C'est ce qu'on croit, hein, la diversité des points de vue. Donc, si quelqu'un monopolise la parole pendant 15 minutes, on n'a pas de diversité, on n'a pas de représentativité. Donc, soyez bref, sans vous censurer, mais je vous invite donc à demeurer bref, direct, à poser des questions directes ou faire des commentaires qui sont directs, tout en étant quand même conscient de ne pas attaquer les personnes directement. Donc, il y a des gens ici qui portent certaines idées, qui sont les idées de l'administration municipale et qui devraient éventuellement devenir celles de la communauté, de la collectivité lambertoise. Ce sont des idées. Si vous êtes en désaccord avec ces idées-là, je vous invite à questionner ces idées et non pas les personnes qui les portent. Donc, évidemment, pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. L'objectif ce soir, c'est que vous ressortiez mieux informés, avec des réponses à vos questions et en ayant pu faire voix à vos commentaires, interventions, à vos préoccupations. On sait qu'il y en a. Je suis conscient du fait qu'il y en a déjà dans la salle. Donc, c'est vraiment l'espace pour ça. On souhaite créer un espace sûr pour la discussion.
J'invite particulièrement les gens qui n'auraient pas l'habitude de parler en public de venir le faire. On est dans un plus petit contexte ce soir, on n'est pas très nombreux, donc ça s'y prête bien. Si vous êtes moins habitué à prendre la parole en public, ne vous gênez pas, ne vous censurez pas. Moi, je vais être là pour accueillir, encourager ces interventions et dans leur diversité. La dernière composante, c'est l'écoute. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs aux personnes quand elles s'expriment. Si le propos vous fait réagir, ben, prenez un tour de parole et venez nous faire part respectueusement de votre réaction. Alors maintenant que les règles sont établies, il va y avoir tout de suite, en fait, on va ouvrir tout de suite le plancher à des questions. C'est sur une base d'inscription, donc on vous a demandé au début, quand vous êtes arrivé, si vous souhaitiez poser une question. Et ceux qui ont répondu oui seront appelés, donc je vais vous appeler à tour de rôle pour vos questions. Aussi vous préciser, j'aimerais limiter les questions à 2 à 3 minutes autant que possible. Et puis, on prendra une question par personne pour commencer, comme on a fait les autres fois. Donc, une question par personne. Si vous avez d'autres questions, je vous inviterai à passer à la suite, hein, encore là, pour des raisons de diversité des questions et commentaires. Dernière petite chose, adressez-vous à moi pour les questions, non directement aux représentants de la ville. Voilà, c'est tout pour ça. Donc, je vais commencer tout de suite, je vais appeler au micro M. Sébastien Fortin, qui était là en premier ce soir pour poser sa question. M. Fortin, s'il vous plaît. C'est au fond. Allez-y. Bonsoir. Je ne suis pas habitué. Là, je ne sais pas si vous voulez défaire le micro de... C'est mon but dans la soirée. Le potentiel est toujours là. C'est ça, ok. Merci, on ne le fait pas souvent. Je vais remercier aussi les techniciens parce qu'ils sont là depuis 3 soirs et allô. Font un bon travail. Donc, okay, bonsoir, mon nom est Sébastien Fortin. Est-ce que je vais m'identifier davantage? Ou? Ben, on a les informations, oui. Donc, on habite à Saint-Lambert depuis 15 ans. Oui. Et puis, à plusieurs reprises, on a tenté de faire des agrandissements, mais ce qu'on sent, c'est fait en sorte que ça ne fonctionnait pas, là, question de bon, accident, arrêt de travail pendant un certain temps et puis tout ça. Et puis, en novembre 2021, oui. On a commencé à procéder à faire un agrandissement. Mm-hmm. On a contacté la ville. La ville nous a soumis les conditions. On a procédé à faire des plans avec un architecte, le tout avec plusieurs communications avec la ville. Mm-hmm. Et puis, on arrive, là, on soumet le tout le 27 mai dernier. Et puis, cette semaine, on apprend que notre projet ne peut pas avoir lieu à cause d'un changement de loi. Mm-hmm. Donc, comme tel, oui. Oui, okay. Je vous écoute. Donc, comme tel, c'est ça, on se fait dire que la nouvelle réglementation de zonage ne tient pas compte ne tient pas pour notre projet. Un bâtiment unifamilial, en fait, c'est la zone A4, la note 3. Un bâtiment unifamilial ne peut pas être agrandi du plus du double de sa superficie de plancher existant, incluant les superficies de garage existants et projetées. Nous, dans notre cas, ça ne se respecte pas. Ce qu'on demanderait, c'est peut-être que la loi soit changée ou qu'il y ait une dérogation. Nous, on a une maison qui a une superficie de 650 pieds carrés sur un terrain de pas loin de 5000 pieds carrés. Donc, c'est sûr que si on veut juste agrandir du double, ça ne fait pas grand-chose. Là. Ouais. Donc, si je comprends bien, la question, c'est que la superficie que vous souhaiteriez construire dépasse le double de la maison actuelle. Exactement, et donc, ça ne rentre pas dans le cadre de la nouvelle réglementation, c'est ça? Exactement. C'est ça. Dans le cadre de l'ancienne réglementation, ça fonctionnait. Ouais. Puis le résultat final, ça n'a pas l'air d'un Monster House. Mm-hmm. Okay. Oui. Je vais expliquer le principe, c'est qu'en aménagement du territoire, lorsqu'on fait un dépôt de nouvelles réglementations, de nouveaux règlements d'urbanisme, ils ont un effet de gel. En ce sens que les deux règlements qui cohabitent à ce moment-là existent et qu'on doit appliquer. Donc, pour éviter qu'il y ait une fuite dans l'une ou l'autre des règlements ou qu'on choisisse l'une ou l'autre des règlements en matière de règlement d'urbanisme, et contrairement aux autres règlements, il n'y a pas d'avis de motion préalable. Donc, il n'y a pas d'annonce aux citoyens à savoir « nous allons modifier les règlements ». Donc, c'est pour ça qu'entre le dépôt de l'adoption, le dépôt des projets de règlement et leur adoption, et l'adoption finale, il y a un effet de gel où là, les deux régimes cohabitent. Et c'est ça l'objectif, que ce soit le plus court possible pour faire en sorte qu'il n'y ait pas l'inconvénient d'une modification où un projet dans un règlement aurait été permis et qu'il ne le serait pas dans l'autre. Donc, c'est en matière d'urbanisme, on doit respecter la loi qui est ainsi faite. OK. Alors, j'avais une autre question. C'est quoi le point de départ? Est-ce que c'est
projet des citoyens? L'adoption par la ville, la recommandation par le CCU ou l'adoption par le conseil? Pour le projet des citoyens, Annick, c'est le dépôt, la date du dépôt initial, est-ce qu'elle est antérieure à l'adoption des projets de règlement? À l'adoption des projets de règlement, si elle est antérieure, en principe, le projet est sous l'ancien régime, et s'il est postérieur, il est sur le régime transitoire. Monsieur et madame ont déposé leur projet le 26 mai. Alors qu'on a adopté le 16. On n'a jamais été mis au courant. C'est parce que pour nous, c'est un petit peu dramatique, parce que ça fait depuis comme novembre qu'on fait, puis qu'on avait peur pour les couleurs, fait qu'on relançait pour être sûr que ça passe, que ce soit avec la ville. Fait que pour nous, 15 jours, là, c'est vraiment difficile à avaler, là, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Fait que je me demandais s'il n'y avait pas comme une certaine clémence dans le délai là, par rapport à... Comme on est des citoyens depuis 15 ans, puis on a une petite maison, on se demandait si on pouvait questionner le fait que quelqu'un qui avait une maison de 1400 puis qui fait un 2800 pieds carrés versus nous qui a un petit 600 dans un gros terrain, si on pouvait, pour faire notre projet, c'est un garage. Bon, c'est pas immense non plus, mais c'est sûr que ça dépasse le doute. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'il n'y a malheureusement pas cette marge de discrétion-là. C'est la loi qui fait en sorte que... Présentement, le service de l'urbanisme doit appliquer conjointement les deux règlements. Par contre, là, vous nous avez mis des commentaires sur la souplesse et que pourrait prendre cette note à la grille RA4. Il pourra y avoir des discussions avec les élus. Autre chose aussi, on a à explorer, c'est si cette mesure-là est adoptée telle qu'elle. Excusez-moi. Si cette mesure-là est adoptée telle qu'elle, à ce moment-là, on pourrait explorer la voie d'une dérogation mineure. OK, parfait. Ouais. D'accord. C'est quoi votre adresse? 161 Walnut. 161. 161? Oui. Merci pour les réponses. Merci de votre intervention. On comprend bien aussi la distinction entre des grands terrains avec des petites maisons, mais le ratio de 50%, ça peut, je pense, peut-être occasionner certaines problématiques. La prochaine personne sur la liste, c'est M. Serge Krakowski. Je vais vous inviter au micro, s'il vous plaît. Merci. Ce que j'ai fait ici, c'est une synthèse de ce que j'ai entendu et pour arriver à deux décisions. Alors, si vous me permettez, je l'ai écrit, comme ça vous n'avez aucun danger qu'en quoi je m'égarerai. Je vais couper ça. En autant que ce soit bref. Pardon? En autant que ce soit bref. OK. Alors, ce qui m'a choqué dans ce que j'ai entendu les trois derniers jours, et je lis ce que j'ai écrit, que j'ai fait vérifier par des personnes, il est inconcevable que la mairie propose des réunions sans fournir un projet étudié convenablement. Aucune entreprise ne s'engagerait dans un projet d'envergure sans une étude sérieuse des revenus et des dépenses. Pour que la mairesse ait fait, et son DG ait fait cela, ça indique une ignorance, et je m'excuse, je ne tiens pas à être impoli en aucune manière, mais ça me démontre, d'après mon expérience, une ignorance des méthodes de gestion fondamentales des entreprises publiques ou privées. Par exemple, madame, vous n'avez pas retenu les services du DG précédent, M. Desormeaux, qui m'avait mentionné, dans une conversation privée, sa surprise devant le manque de rigueur des projets de la ville. Au lieu de garder cette expertise, vous avez préféré engager M. Savard, qui était un directeur de l'UMQ, mais qui n'a jamais dirigé de ville et participé à ce qu'il faut. Alors, je suis très inquiet de cette insouciance sur la manière de faire des décisions, parce que, en plus, cette décision a été entérinée par le Conseil sans dissension apparente. Le fait que personne n'ait pensé aux conséquences financières du plan d'urbanisme suggère une ignorance
des intérêts de la ville. Parce qu'au bout du rouleau, madame, c'est moi qui paye avec mes concitoyens. Donc, et le fait que tous les élus aient approuvé uniformément ce plan, sans réfléchir ou fournir de raisons, c'est très inquiétant. Alors, pour corriger ce manque d'expertise, je dois respectueusement conclure que la période d'essai de notre directeur général a démontré une incapacité à penser en termes des intérêts de la ville. Ça vous revenait de montrer que le citoyen ne pouvait pas prendre une décision sans savoir quels seraient les impacts sur les taxes. Monsieur, je m'excuse de vous interrompre. Est-ce qu'on peut revenir sur le sujet du plan d'urbanisme, s'il vous plaît, parce que l'on est hors sujet? Ça faisait partie. Alors, écoutez, je n'ai pas de problème à retourner à la place et revenir. C'est tout. Parce qu'il me manque ce deuxième partie. Ça ne me dérange pas que vous continuiez si c'est sur le sujet du plan d'urbanisme. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Je m'excuse, j'ai 50 décibels de perte par oreille. Ça veut dire que j'entends 20%. Attendez. Comme ça, ça va régler votre intervention, vous n'aurez pas besoin de retenir. Madame la mairesse vous demande si vous voulez terminer votre intervention. Oui, ça vous évitera d'avoir à revenir. Bon, alors, c'est le premier point. Disons que je n'ai pas été convaincu. Vous ne revenez pas après. Hein? Pardon? Vous ne revenez pas après. Là. Vous allez finir votre lecture, ça va être correct. On va voir. D'accord. Le deuxième point, madame, c'est l'insistance de l'UMQ et donc du DG qui était de l'UMQ de vouloir absolument éliminer les citoyens du processus. Il faut distinguer une consultation contraignante à une consultation non contraignante. Et vous lisez ça dans l'article 80.3 de la loi 122. Qui explique comment faire des consultations sans que la ville soit engagée par les décisions des citoyens. Voilà le point fondamental. Alors, quand vous-même, vous semblez, après avoir engagé M. Savard, être d'accord avec cette façon de gérer les villes, je vous demande de réfléchir et de savoir si vous êtes capable de mener votre rôle dans l'intérêt de la ville. Et j'ajoute finalement ma dernière phrase, monsieur, allez-y. Que je suis sincèrement désolé d'arriver à de telles conclusions, et j'espère sincèrement avoir tort. Mais ça m'étonnerait. Alors je vous remercie, et j'écoute les questions si vous en avez. Bien. C'est tout? C'est tout. Je vais prendre la prochaine intervention, à moins qu'il y ait une réaction. Non? Marie Legault, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. J'ai été là hier soir. J'ai dû quitter, malheureusement, pour les deux autres périodes. Ma question concerne peut-être plus le centre-ville, mais la mairesse a répondu un peu à ma question. Alors, je voulais savoir si la Société d'histoire Mouillepied avait été consultée. Et je vais ajouter à ce moment-là à la question, dans quelle mesure et quelles recommandations a-t-elle faites concernant par rapport à l'architecture, par rapport à... En fait, au plan que vous proposez. Je pense que je vais peut-être prendre l'intervention de Mme la mairesse, puis peut-être Annick aussi, s'il y a un volet urbanistique ou patrimonial. Non? OK. Alors, oui, merci pour la question. J'ai parlé, on a invité la Société d'histoire Mouillepied à quelques reprises à venir nous rencontrer, notre directeur général et moi. Et finalement, c'est une conversation avec le président du conseil que j'ai eue parce que le président du conseil trouvait que la Société d'histoire Mouillepied n'avait pas d'expertise en urbanisme et trouvait que la mission de l'organisme était plutôt dans le sens de la protection du patrimoine. Alors, l'intérêt de la Société d'histoire Mouillepied, c'était plutôt de nous dire, bien, faites attention quant à ce qui serait construit en vertu de projet à définir, parce que vous avez compris que ce qu'on est en train de faire... C'est simplement définir les grands paramètres, les hauteurs, l'implantation au sol, des trucs comme ça. Mais l'allure, ben c'est plutôt dans les plans d'implantation que ça se fait, puis ça, c'est un autre règlement. Alors, le président, M. de la Roseville, m'a dit que pour eux, c'était plus important de voir que les modifications qu'on fera au plan d'implantation
soit dans le respect du style Saint-Lambert, de l'architecture patrimoniale, de l'histoire de Saint-Lambert. Il était très content de savoir qu'on a resserré les situations où des immeubles seraient démolis et qu'on avait vraiment un grand souci qu'on reflète dans les textes, justement, de voir à la préservation du patrimoine dans son ensemble. Les arbres, notamment, là, la priorité qu'on donne aux arbres et tout ça, donc, ça leur plaît beaucoup. Si je comprends bien ce que vous me dites, c'est qu'ils seront consultés ou peut-être approchés d'une façon plus, je dirais pas sérieuse, mais disons plus approfondie dans un deuxième temps. C'est bien ça? Oui, quand on fera le règlement, quand on fera les modifications au règlement sur les PIA, on va les consulter de nouveau, mais vous comprenez que c'est eux qui ont dit, ben nous, l'urbanisme et le zonage, c'est pas tant dans notre mission, mais reparlons-nous quand vous serez dans les PIA. C'est ça. Très bien. Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes familière, et c'est pour l'ensemble de la salle aussi, avec le terme de PIA? Oui, non, un peu? Les plans d'implantation, là, qui Annick pourrait peut-être définir ça davantage, mais c'est là qu'il est plus question de style, d'architecture, de couleurs, de matériaux, puis de tout ça. Parce qu'ils ont énormément de photos, ils ont énormément d'artefacts de la ville. Ouais. Personnellement, je pourrais leur en fournir une pléiade. Je voulais m'informer de ça. Et est-ce que ça sera public? Est-ce qu'on pourra y participer à ça? Oui. En fait, il y a la même démarche, je peux répondre, là, c'est l'urbanisme. Excusez-moi, ça va, il n'y a pas de souci. Mais madame a répondu. Ce sera essentiellement la même démarche en termes de consultation pour adopter un règlement sur les PIA, parce que c'est une refonte, donc il sera remplacé lui aussi éventuellement, ultérieurement. C'est la même démarche, il y a une consultation en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, comme on est ici depuis 3 séances. Retenez mon nom. C'est bon, ben, présentez-vous, merci ça beaucoup. Va faire plaisir. Merci. Ça va? Oui. Oui, bien sûr. Ben, je ne sais pas, peut-être qu'on va faire comme Annick a dit hier, vous demander de signer sur la liste. Ben, non, c'est parce qu'Annick me surveille, que j'avais entendu ça hier. Mais Marie, je me souviens que vous avez posé une question la semaine dernière en rapport avec les hauteurs, si je ne me trompe pas, sur Riverside vis-à-vis chez vous. Vous êtes sur Lorne, hein, c'est ça? Mais c'était pas clair pour moi qu'on avait répondu à votre question. En fait, oui et non. Là. Moi, dans le fond, là, c'est pas compliqué. J'aimerais m'assurer que ma vue sur le Riverside ne soit pas obstruée par des, je dirais pas des gratte-ciels, mais des immeubles. Déjà, j'ai le Château Riverside, j'ai le HLM, j'ai l'Académie Saint-Michel qui était déjà là depuis, je ne sais pas, des débuts des années 1900. Puis que ça ressemble à Gotham City, là, que je sois dans l'ombre totalement. Ma vue sur la 132, même si c'est la 132, je vois Montréal, mes voisins voient Montréal, ça fait partie de Saint-Lambert. Donc, la préservation des vues dans quelle... Absolument. La vue qu'on a sur Montréal, ça fait partie de Saint-Lambert. Le fleuve arrivait où est la 132. Alors, c'est pas d'hier. Là. Ouais. Donc, jusqu'à quel point cet élément-là va être pris en compte aussi dans le règlement sur les PIA? Ça, je pense que c'est bien pris Absolument, en note. Absolument, parce que je serais une féroce défenseresse de ça. Là. Écoutez, ça fait partie de notre ville. Oui. Même si on n'est pas content du bruit ou de plein de choses, voilà, c'est très émotif, c'est Saint-Lambert. Mais habituellement, c'est le genre d'élément qui peut faire partie d'un règlement de PIA, donc on va regarder l'intégration, l'architecture des bâtiments quand on les insère dans un milieu comme ça, en fonction de ce qui est déjà là. C'est là où probablement c'est pertinent d'avoir la Société d'histoire pour documenter cet aspect-là. Oh, absolument. Qu'est-ce qui est là, quels sont les paysages, quelles sont les vues, quels sont les bâtiments patrimoniaux dans le secteur. Merci C'est beaucoup. Bon? Merci. Ensuite, j'ai M. Jean-François Pilon. La parole est à vous. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? On a des grandes personnes, des petites personnes. Vous pouvez peut-être juste orienter le micro un petit peu plus à la verticale. C'est parfait.
Donc, mon point porte un peu sur... Bien, premièrement, merci de nous recevoir et de nous écouter. Mon point porte sur le même sujet que M. Fortin, là, qui était le premier intervenant, concernant la modification, la nouvelle grille des usages et normes. La note qui mentionne qu'un bâtiment unifamilial peut être agrandi de plus du double de sa superficie de plancher existante, incluant les superficies de garage existants et projetées. Nous, ça fait un an à peu près là, qu'on travaille un projet avec nos architectes, la ville. Notre projet a été déposé il y a 6 mois. Puis là, on a appris aujourd'hui que cette nouvelle réglementation-là rendait notre projet invalide, si je peux dire ça comme ça, après un an de travail. Donc, c'est sûr qu'on a été un petit peu sur le choc. D'un, on ne comprend pas nécessairement la raison de ce nouveau, cette modification réglementaire-là. Puis de deux, pourquoi, étant dans le processus depuis aussi longtemps, pourquoi ça nous affecte, on n'a pas... Après avoir traversé autant d'embûches, 4 CCU, beaucoup de discussions avec le département d'urbanisme, c'est ça, on est un peu à court de l'énergie là, dans le processus. Puis c'est un processus qui est très difficile, une construction de maison. Là, ça fait un an qu'on n'a pas encore débuté la rénovation, en fait, mais c'est une rénovation majeure. Donc, c'est ça mon point. Je comprends. Peut-être Mme Fortin serait bien placée pour répondre donc à la fois sur le pourquoi de la règle et puis le mécanisme de l'effet de gel. Bien, je pense que M. Savard a bien expliqué là, l'effet de gel puis les particularités en lien avec les règlements d'urbanisme qui s'appliquent automatiquement versus les autres règlements qui doivent être annoncés par le Conseil. Par chance, votre projet a été déposé en amont votre dossier était complet et conforme donc en amont de l'adoption des projets de règlement. Donc, vous vous sauvez de l'application de ce règlement-là pour votre projet. Ça, c'est d'une chose. D'autre part, la raison de cette disposition-là, c'est à l'étude des dossiers avec les membres du CCU, les membres du Conseil, on se rendait compte que le cadre bâti et plusieurs projets de transformation résidentielle étaient majeurs. Ils venaient vraiment impacter aussi, notamment je sais que ce n'est pas votre cas, parce que vous avez travaillé votre agrandissement plus en hauteur qu'en superficie au sol, mais que ça impactait aussi les taux de verdissement actuels, bien que souvent les projets respectent les taux d'implantation prévus au CRI, mais que ça transformait de manière drastique le cadre bâti existant. Donc, de venir doubler, tripler, quadrupler les superficies d'un bâtiment existant si la ville prend, ou les élus, le conseil actuel, prend une orientation sur le maintien du cadre bâti existant, donc de limiter le nombre de démolitions sur le territoire. C'est aussi dans l'objectif d'en préserver une trace, donc si la transformation est trop majeure. Donc, c'est un paramètre qu'on est venu établir pour maintenir le paysage urbain de Saint-Lambert dans ce qu'il est. OK. Est-ce que je peux faire une intervention? Bien sûr, un commentaire, oui, en réponse. Mais peut-être revoir ça, parce que comme un peu M. Fortin disait, je pense que c'est un peu du cas par cas, parce qu'il y a beaucoup de petites maisons à Saint-Lambert sur des grands terrains, puis c'est un peu... souvent, ce n'est pas adapté à la réalité d'aujourd'hui. Les familles, etc., vivent dans un petit bungalow où toutes des pièces cloisonnées. Puis peut-être faire des créneaux dans la réglementation en fonction du projet. En tout cas, je ne sais pas, je suis pas un spécialiste là-dedans, mais moi, je suis bien content que dans mon cas, ça ne s'applique pas parce que j'ai une question d'un heureux timing. Mais je trouve que pour les autres, les familles à venir, vous parliez, j'ai écouté les autres séances, puis vous parlez de faire plus de logements, peut-être des bigénérations, etc., mais ce genre de règlement-là nous empêcherait de faire une bigénération dans le futur. C'est sûr que c'est un compromis entre les deux, là. C'est exact, puis on dirait que les façons de contourner ce règlement-là, exemple, faire un garage détaché qui viendrait être encore plus nuisible au verdissement, à la canopée. Exactement, puis à la coupe d'arbres, etc. Peut-être il y a quelque chose, selon moi, qui est à travailler encore là-dessus. C'est bien noté. Merci. C'est tout pour moi. Merci pour le commentaire. Merci beaucoup. La personne suivante, je ne suis pas certain de bien lire le nom. Gilles Gérard. Oui, c'est ça. La parole est à vous. Bonsoir. Par respect pour les citoyens, puis pour donner les coups des franches aux mandataires. J'aimerais juste illustrer par exemple ce que j'ai dit hier.
en prenant excusez, le PPU de Saint-Charles. Si dans vos projections, puis dans votre projet, vous aviez envisagé, disons, 1000 unités à X montant d'argent, avec une moyenne, qui rapportait des revenus de Y. Pour le citoyen qui dit, ben moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, un 6 étages, j'aimerais mieux un 4 étages, ou je veux avoir des bungalows, puis je ne veux pas avoir plus que 3 étages, naturellement, le projet change et la réglementation va changer. Une perte de revenus pour la ville. J'aimerais, moi, que si ces choses-là se font, puis vous acceptez de faire le changement, que de contrepart, vous dites aux citoyens, bien, si on avait fait ça, c'est X montant de revenus et on a un manque à gagner de Y, donc on va être obligé d'augmenter les taxes résidentielles ou les taxes de la municipalité à tout le monde. Donc, à ce moment-là, le citoyen, il est au courant, il sait exactement les conséquences de sa demande et ça permet à la municipalité d'être claire et de dire exactement les choses pour que le citoyen comprenne bien que sa demande a une conséquence. Donc, c'est l'exemple que je veux présenter parce que c'est important. Vous avez parlé des revenus de la municipalité, puis on est au courant que... On est enclavé, puis il n'y a pas de développement. Donc, je pense que, en tout respect, vous devriez bien le mentionner aux gens. C'est tout. Merci. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. Puis oui, on devrait préparer des scénarios, puis on pourra en reparler lors de séances publiques du Conseil. Absolument. Oui, merci. Merci. La personne suivante qui avait désiré poser une question, c'est Nicole Perra. La parole est à vous. Alors, ma question porte sur le PPU Wilfrid Laurier. Oui. Alors, évidemment, Wilfrid Laurier sépare les deux zones qui sont concernées dans ce secteur-là. Moi, c'est plus le carré Saint-Lambert qui me questionne. Mm-hmm. Il est mentionné qu'il y a un fort potentiel de consolidation du côté du carré Saint-Lambert, qui est finalement le petit centre d'achat avec le IGA. Il y a un pôle alimentaire, il y a un pôle santé. Mm-hmm. Et le développement va se faire dans le stationnement, c'est-à-dire prendre une partie du stationnement pour réaliser la construction jusqu'à 5 étages. Mm-hmm. Je me demande comment ça peut fonctionner avec le centre d'achat qui est là, qui a un fort achalandage. Je me suis promenée cet après-midi juste par curiosité. Puis, il y avait très, très peu de places de stationnement libres. Donc, si on gruge la moitié, ou je ne sais pas, pour construire quelque chose qui a un certain bon sens dans ce secteur-là, il faut quand même prendre une bonne partie du stationnement. Je ne comprends pas comment ça peut fonctionner. Mmh. Oui, donc votre question, c'est est-ce que le stationnement a été pris en compte dans cette intention d'aménagement-là? C'est oui, ça, la question. Parce donc, que ça risque peut-être de mettre à mal... l'achalandage de... Il n'y a quand même pas beaucoup de pôles alimentaires, là. Mmh. T'sais, IGA, il y en a deux, là. Un dans le centre-ville, puis ouais. Un au carré. Je comprends bien. Je pense que ça a été réfléchi avec vos consultants aussi en urbanisme pendant la démarche. Peut-être Mme Fortin pourrait vous répondre. Oui, bien, c'est sûr que le propriétaire actuel n'est pas obligé de redévelopper son site. Ça sera selon son bon vouloir, puis au fil des ans. Peut-être que ça prendrait 5 ans, 7 ans, 10 ans. C'est juste de mettre des paramètres qui, si le moment venu, il souhaite voir transformer son site avec une mixité d'usages, c'est de le permettre. Ça ne veut pas nécessairement dire de venir s'implanter dans le stationnement actuel avec des bâtiments sans stationnement. Donc, c'est vraiment de réorganiser l'ensemble du secteur qui peut prendre d'autres formes. Du stationnement étagé, du stationnement souterrain, une partie pour les clients versus une partie pour les travailleurs des bureaux qui sont plus, à ce moment-là, invités à avoir des stationnements souterrains puisque qui s'y rendent quotidiennement.
versus les clients qui vont s'approvisionner, avoir des stationnements de surface. Donc, c'est vraiment un appel à une transformation complète là, du secteur. Sans éliminer la voiture là, de l'équation pour autant. C'est pas le souhait. OK. Rapidement, oui, en complémentaire. C'est juste pour dire, on a donc épuisé un premier 20 minutes de questions. J'avais l'intention qu'on fasse trois blocs comme ça, mais allez-y. Mais l'autre question à ce moment-là, c'est que vous permettez, dans cette zone-là, éventuellement, si jamais il y avait un projet, 5 étages. C'est vraiment très près de Rivermer. C'est adossé, finalement. Et sur Rivermer, dans cette section de rue-là, entre Aran et Queen, ce sont essentiellement des petits bungalows. Il y a une seule maison à 2 étages. Alors, 5 étages, vraiment accolés là, à... ça fait haut. Oui, bien, je note. Puis c'est pour ça aussi que la marge arrière, donc l'implantation d'un éventuel bâtiment qui pourrait atteindre jusqu'à 5 étages, puis là aussi, il va y avoir des interventions au niveau du règlement sur les... plan d'intégration et d'implantation architecturale, à savoir comment paramétrer justement ces volumes-là pour bien s'intégrer au cadre bâti existant. Ça, c'est une chose. Donc, il pourrait y avoir des interventions qui permettent de descendre en escalier pour se rapprocher du cadre bâti existant, notamment. Deuxièmement, à la grille de la zone, ce qui a été prévu comme marge arrière, c'est un dégagement de 18 mètres. D'habitude, de ce qu'on voit dans les autres zones, c'est des marges arrière minimales de 9 mètres. Donc, on est venu doubler la marge minimale pour s'assurer qu'il y ait quand même un espace convenable entre les propriétés actuelles, unifamiliales, résidentielles et de potentiels bâtiments à voir le jour. C'est deux stratégies qu'on va utiliser. Si vous en avez d'autres à nous proposer, on est tout oui. Non, mais reste quand même que quand on parlait de Notre-Dame versus Centre-Ville, on parlait des 3 étages, bon, c'était quand même par rapport aux maisons qui étaient là, du résidentiel. C'est surprenant de penser à 5 étages accolés à une rue de bungalow. Oui. Peut-être, mais ça fait aussi du sens de la coller à la 112, où on souhaite avoir un encadrement un peu plus consistant de la voie. Donc, c'est ce paramétrage. Quand on parle de nombre d'étages, on parle, là, c'est un maximum. Ça ne veut pas dire que ça va s'appliquer, que cette hauteur-là va s'appliquer. Non, mais c'est une possibilité. Le règlement va permettre jusqu'à 5 étages. Oui. Est-ce que vous suggérez que ce soit moins? Est-ce que 4 étages vous conviendraient mieux ou 3? Bien, moi, je considère que 3, ça serait amplement 3. Suffisant. OK. Parfait. Ouais. Mais considérant le voisinage. Oui. Comme Mme la mairesse le mentionnait, dans un second temps, il y a le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, qui est un outil vraiment très fort. Donc, c'est un règlement qui vient assujettir tout projet de construction prévu dans le règlement, donc notamment tout projet de nouvelle construction, doit être évalué par le service d'urbanisme, évalué par le comité consultatif d'urbanisme et approuvé par le conseil. Donc, si le conseil considère que les critères et les objectifs prévus au règlement ne sont pas atteints, qui pourrait, par exemple, être une cohabitation saine ou une volumétrie correspondant au milieu d'accueil, pourrait refuser sur ces bases-là le projet. Ça va? J'aimerais rajouter, oui. Parce que votre question est vraiment importante dans le sens de clarifier pour le bénéfice de tout le monde que, vous savez, c'est pas parce que le zonage serait modifié par le règlement qu'on adoptera le 11 juillet que ce qui est là présentement doit être éliminé et doit changer d'usage et de fonction. Hein. C'est le règlement est là pour prévoir que quand l'usage actuel ne sera plus, n'existera plus, bien là, le règlement va s'appliquer pour dire que ce sera possible de construire jusqu'à 5 étages ou jusqu'à 3 étages. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui m'a posé une question semblable en fin de semaine à propos
de Rock Test en disant « Ah, vous êtes en train de faire fermer l'usine de Rock Test ». Mais pas du tout. Ce qui est prévu dans le règlement qu'on souhaite adopter, c'est que quand Rock Test voudra plus être Rock Test ou voudra plus avoir ce business-là, bien là, le nouveau règlement va s'appliquer, puis on prévoit d'avance les règles pour ce qui pourrait être sur ce terrain-là. Mais on ferme rien, on n'exproprie personne, les affaires vont continuer. Puis je vous dis ça parce que ça peut prendre des années avant que quelque chose change au Carré Saint-Lambert. Carré Saint-Lambert, ça marche bien, là. Il y a des commerces, il y a une clinique médicale. Moi, je pense que le propriétaire immobilier qui est là, il est très heureux, là. Puis je pense pas qu'il va vendre demain matin parce qu'on change le règlement de zonage ou qu'il va tout démolir ça puis qu'il va construire autre chose. Je sais pas ce que t'en penses. Je peux peut-être rajouter juste dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'on voit souvent, c'est que c'est peut-être pas le cas, là, dans la zone concernés, là, mais on en a d'autres dans le territoire, là, des bâtiments un peu vieillissants qui datent des années 60-70, qui commencent à se défraîchir, puis dont les propriétaires doivent revamper, puis dont ça devient compliqué de relocaliser ou de répondre aux critères ou aux nouvelles attentes des commerçants dans ces bâtiments-là. Donc, doivent vraiment se repositionner puis se redéfinir. Et pour permettre cette révision-là de leur offre commerciale, doit avoir un projet d'un peu plus de gabarit qui permet de financer ces rénovations-là ou ces nouvelles constructions-là. Fait que, à plusieurs endroits, dans l'Amérique du Nord, je vous dirais, là, on voit de plus en plus des redéveloppements qui, c'est les propriétaires commerciaux qui engendrent ou qui mettent en œuvre ces projets-là pour de mixité, qui viennent associer différents usages pour pouvoir offrir à leur clientèle et à leurs locataires des standards d'immeubles qui répondent au goût du jour versus à des standards qui datent de 40-50 ans. Donc, c'est souvent même à l'initiative et au bénéfice de ces commerçants-là que ces projets-là sont engendrés. Merci. Merci. Petite clarification sur le temps. Donc, on avait donc écoulé, quand vous avez entendu la sonnerie, une première période de 20 minutes de questions. On va faire en fait trois périodes comme ça. Là, il reste 12 minutes à la période actuelle. Donc, au bout d'une heure, s'il y a encore des questions, on ira à la pause, en fait. Que vous le sachiez tout de suite. Donc, ça ressonnera une deuxième fois, puis une troisième fois, auquel moment on prendra une pause. Le nom suivant que j'ai à la liste, c'est Karine Lapointe, s'il vous plaît. On vous écoute. Bonsoir. J'ai malheureusement pour vous plus qu'une question. J'ai participé hier à la réunion. J'ai fait un peu mes devoirs aujourd'hui. Je ne suis pas urbaniste, entrepreneur depuis 25 ans. Je travaille en architecture, en design. J'ai travaillé en marketing également. Ma première question, c'est j'ai entendu des interventions très pertinentes hier quant à savoir est-ce qu'il y a eu des études sur l'impact de la circulation sur les nouvelles constructions? La réponse a été non. Y a-t-il eu des études sur l'utilisation de l'eau? J'habite sur le boulevard d'Union depuis un an. On a un sérieux problème d'aqueduc où la solution de la ville, c'est de couper 52... De la proposition de la ville jusqu'à maintenant, c'est de couper 52 arbres et de changer l'aqueduc. Moi, j'habite au coin de Stanley. Et là, la proposition de la ville, à nouveau, depuis une semaine que j'ai appris, c'est qu'au coin de ma rue, on propose 12 étages. Donc, mon petit quartier de cottage unifamilial se transforme avec un grand boulevard, plus d'arbres au centre, avec un 12 étages. Je me demande pourquoi les consultations ont lieu maintenant, pourquoi ça n'a pas été fait en amont. Pourquoi on arrive avec des propositions, là, on demande aux citoyens proposer, donnez-vous nos commentaires. Premièrement, les commentaires qui ont été faits hier. La ville semble être dans un rush. Si on dit, on va faire des études pour valider, est-ce qu'on va être à court d'eau comme à Mirabel où les gens n'ont plus de pression? Où on est des embouteillages monstres dans Upper Edison, si on décide qu'on fait ça, est-ce que c'est même possible de d'appuyer sur stop puis de dire on va faire des études pour valider la validité puis la faisabilité de ça dans cette ville? Est-ce que c'est possible? Donc, votre question, si je comprends bien, c'est est-ce qu'on peut prendre un pas ben, de recul les recommandations pour faire d'hier les études? De certains citoyens qui ont 40 ans d'expérience dans le domaine, c'était qu'est-ce qu'on fait? Deuxièmement, il n'y a pas que quelques personnes qui s'opposent au projet au parc Victoria avec les 12 étages. Il y a déjà 450 signatures. J'ai reçu la pétition hier. Donc, les gens s'y opposent fortement.
C'est juste que, encore une fois, notre contestation, elle a quoi comme poids? Si la semaine prochaine, vous dites, bon, ben nous, on a décidé que ça va être du 9 étages, pas du 13, et que c'est voté, le règlement est adopté. Je comprends que ça peut prendre des années, mais il n'y a rien qui empêche les rumeurs de Sonic d'avoir vendu puis de construire un 12 étages dans un an. On fait quoi? Monsieur Savard? Plusieurs volets à votre question. Énormément, oui. Plusieurs volets. Sur la question de l'eau, le parallèle n'est pas bon. Là. Sur la question des capacités, on travaille, vous parlez de la MRC de Montcalm. C'est le parallèle n'est pas bon, dans le sens où Parfait. Les projets de développement, on doit les annoncer à l'agglomération de Longueuil, qui a des prévisions en matière de production de l'eau. Uh-huh. On n'est pas la seule ville, évidemment, développée. Vous connaissez, il y a Brossard, il y a Saint-Bruno. Donc, en termes de capacité, les analyses sont faites, les prévisions sont annoncées. Et dans l'ensemble du développement de l'agglomération, désolé, il y a un retour de son, je ne sais pas c'est qui. Dans l'ensemble des besoins de développement pour les 10 prochaines années dans l'agglomération, la ville de Saint-Lambert ne représente qu'un pour cent potentiel. Donc, sur la question de la production, les analyses sont faites, les ingénieurs travaillent là-dessus. Moi, je parle d'aqueduc. Sur le boulevard de l'Union, on n'arrive pas à l'évacuer, on doit le changer. La ville n'a pas les moyens de changer l'aqueduc. Madame, je pense que vous confondez avec les égouts. Bien sûr, je parle des égouts. Je fais juste dire que avoir 100 logements, comme ce qui a été mentionné hier, versus une usine, ça a un impact important. Si on construit, je veux dire, au bout de l'Union, si on construit un 12 étages avec je ne sais trop combien de la ville, pour le moment, n'a même pas les moyens de réparer le boulevard de l'Union correctement à court terme. Fait que je me pose la question, pourquoi ça n'a pas été fait en amont? Puis pourquoi on nous dit, ben non, on n'a pas validé la circulation, non, on n'a pas validé certaines choses. Pourquoi on a 2 semaines pour statuer? J'ai l'impression d'être dans un rush incroyable. Désolé. Donc, je répondais à un des volets de votre question sur la question de la production de l'eau. Je donner un exemple de ville qui se développe très rapidement. Je peux donner Brossard où ils ont construit des maisons, il n'y a pas d'école. Je veux dire, ça semble un peu fait à l'envers, c'est ce que je veux dire. Sur la question des égouts, c'est la même chose. Les prévisions de développement sont annoncées à l'agglomération. Je parle de l'épuration des eaux. Mm-hmm. Dans le cas des conduites sanitaires, dans le cas du secteur Saint-Charles, ça a été refait, donc il y a une capacité là. Sur la question de la circulation, la réponse a été donnée hier. Non, il n'y a pas d'étude de la ville qui a été produite dans le cas du quartier Saint-Charles particulièrement. Sur la question des hauteurs dans le lot que vous avez évoqué, ça a déjà été évoqué dans les dernières consultations. Donc, on a effectivement pris en note la préoccupation sur la hauteur. Mais si vous statuez dans 10 jours que ça va être 8 et non 12, mais que les gens ne veulent pas dépasser 3 ou 4 et que c'est un quartier qui est uniquement de l'unifamilial sans commerce, on fait quoi, nous, comme citoyens? On a 10 jours pour dire, bien, les gens sont à peine en train de découvrir ça, ne sont pas heureux. Comme je vous dis, j'ai eu connaissance de la pétition hier soir à 23 heures. Il y a déjà 450 signatures. Comment vous tenez compte des recommandations ou des questionnements pour définir ce qui sera décidé finalement? Je vais juste conclure sur le volet services infrastructure, puis je vais revenir sur cette question-là, sur le pouvoir des citoyens dans le cadre de la refonte. Si les infrastructures et que la planification urbaine prévoit un redéveloppement et que les infrastructures ne sont pas capables de l'accueillir, les projets ne seront pas autorisés. Puis si le promoteur souhaite aller de l'avant, il y a des discussions pour qu'il aille, que ça soit aux frais du promoteur. Donc ça se fait. Ça, c'est pour la question des infrastructures. Pour la question de c'est quoi votre pouvoir, les citoyens ont un gigantesque pouvoir. Le règlement de zonage, donc la hauteur est définie dans le règlement de zonage, et le règlement de lotissement sont soumis, Mathieu abordait les différentes étapes subséquentes à l'adoption finale des règlements. Donc, si la population n'est pas heureuse de voir la réglementation proposée au final, peut aller en processus référendaire, qu'on appelle. Donc, il y a une ouverture de scrutin. Et si on atteint un nombre de signatures, le citoyen a le pouvoir de faire annuler, en fait, la réglementation qui est proposée. Donc, la ville a tout intérêt d'écouter ses citoyens.
Parfait. Parce que je parlais justement avec Mathieu parce que je n'y connais rien en urbanisme. Là, il nous dit, bien, les modifications vont être mises au dossier, puis après, c'est dans les 10 jours. Je me prends un exemple, là, je pars en vacances le 23, je reviens le 11. Ça va être réglé, ça va être canné. Ça me semble très rapide. Ce que je trouve dommage, c'est, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. J'ai parlé aujourd'hui à des développeurs à NDG. On leur exige 2 stationnements par 5,5 parce qu'on veut attirer des familles et on ne veut pas que les gens, justement, dans le quartier Oak ou à côté de moi à Parc Victoria, que les gens se gardent dans la rue pour que ça déborde. Je ne sais pas quels sont les critères. Quelle est la clientèle qu'on veut attirer à Saint-Lambert? Des personnes retraitées qui utilisent les navettes ou on veut attirer des familles? C'est quoi le marketing plan de la ville? Je ne le vois pas. J'ai l'impression qu'on a mis des critères pour les promoteurs immobiliers et j'en connais plusieurs. Leur motivation, ce n'est pas le bien-être. Est-ce qu'on ajoute 2000 nouveaux résidents? Est-ce qu'on leur fournit une piscine où ils vont tous se retrouver à la piscine de la voie maritime? Puis j'habite pas quartier Saint-Charles. C'est juste, j'essaie de voir comment tout ça va tenir la route. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça tienne la route au final? Puis j'ai l'impression que là, il y a un délai de 10 jours, puis on a des recommandations, mais on n'aura même pas le temps de faire les études pour valider la faisabilité. Puis comme certaines ont dit, mais c'est beaucoup d'infrastructures qui doivent être mises en place, mais ça risque de coûter plus que ce qu'elle rapporte réellement à la ville. Et ça, ce serait franchement dommage. Parce que oui, il n'y a plus de place à Saint-Lambert. Puis ce qu'on va être construit, on va l'avoir pour 200 ans. Ce n'est pas une boulangerie qui ferme, là. C'est là pour rester. Merci. Absolument. Vous avez tout à fait raison sur l'impact et le côté sérieux de la chose en ce moment qui est en train de se décider. Okay. Mais je comprends que le PPE a été démarré par l'autre administration. C'est juste que là, je l'ai appris la semaine passée, puis là, ça va être réglé dans 2 semaines et demie. Puis les gens ne sont pas contents de voir potentiellement un 12 étages à Parc Victoria. Est-ce que vous avez pris une décision? Est-ce qu'on sait que ça va être 5, 6, 4, 3? Là, la pétition demande 3. On statue comment là-dessus? Bien, les élus vont se rencontrer suite aux consultations. Puis il y aura, comme vous savez, l'INM est en train de faire son rapport indépendant justement pour regrouper ce genre d'intervention-là. Pour ce qui est du type mais de logement, juste que, je pense puis j'ai que... vécu en Europe, je ne vais pas raconter ma vie, mais 7 ans, puis j'ai vu des programmes où les villes demandent vraiment une liste de critères qui peut être longue, mais on détermine ce qu'on veut comme clientèle, puis on bâtit autour. Mm-hmm. Puis on bâtit, comme je vous dis, est-ce qu'on met une piscine? Parce que ça va être que des gens, pas de cours, pas de jardin, pas de piscine. Il va en avoir 2000. Ça, peut-être qu'il y aurait envie de se rafraîchir. Donc, est-ce qu'on exige aux promoteurs d'avoir des terrasses vertes disponibles à tout le monde, pas des cas? Est-ce qu'on exige des piscines? Est-ce qu'on exige pas juste une coulée verte, une quantité d'arbres? La dame qui est architecte paysagiste l'a mentionné hier, mais il n'y a pas de brief design. C'est juste, on va voir avec le promoteur, mais c'est du cas par cas. Puis si vous n'êtes plus là, dans 5 ans, on peut tomber sur quelqu'un d'autre qui aura de moins bonnes intentions. Sur ce. Merci pour l'intervention. Oh. J'ai plus de son du tout. On n'entend pas quand. Vos micros sont, je pense, étaient fermés. Fait qu'on ne vous entend pas en rediffusion. Vous pouvez juste faire attention à allumer vos micros quand vous intervenez. Moi, je ne sais pas si c'est normal. J'ai plus de. Ah. Est-ce que c'est l'appareil que M. Krakowski utilise qui fait l'interférence, peut-être? Non, on se demandait si c'était votre appareil. Non, monsieur. Est-ce que c'est votre micro qui fait de l'interférence? Voilà, c'est coupé. Non, on vous appelait pas à la parole, par contre. Ah bon, je peux pas parler? Non, c'était juste la question du micro. Est-ce que le micro est fermé parce qu'on a de l'interférence? Attends, j'entends rien. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, laissez-moi juste m'expliquer. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas à vous la parole, monsieur. Je m'entends pas moi-même, donc c'est... Monsieur, la parole n'est pas à vous. Pardon? La parole n'est pas à vous en ce moment. Je comprends pas ce qu'il dit. Mais non, il est coupé. Il est coupé, il est fermé. Il est fermé, regardez. Off. Allez-y, ouvrez-le. C'est pas moi. Ouvrez votre micro. C'est ce micro qui marche. Ah, peut-être. Regardez, toutes ces questions qui ont été posées. Monsieur, ce n'est pas à vous. Je vous le donne. Ce n'est pas vous qui êtes sur la liste en ce moment. Non, ça va. Toutes les questions qui ont été posées. Monsieur, la parole n'est pas à vous. Je m'excuse. Autour d'un seul point.
La prochaine personne, c'est Caroline Cloutier. Je vais l'inviter au micro, s'il vous plaît. Vous reviendrez plus tard, M. Grakowski. Vous reviendrez plus tard. Merci. OK. Caroline Cloutier, s'il vous plaît. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. C'est certain que je suis très hésitante à... Ah bon? Allez-y. Ben, c'est certain que je suis très hésitante à prendre la parole et surtout, je vous tourne le dos. J'aime pas ça du tout. Moi, je suis sur un terrain qui est concerné. Puis, j'affectionne particulièrement beaucoup ma petite maison que j'ai depuis une dizaine d'années. Et je comprends la situation de la ville. Je la trouve très logique de vouloir densifier, de vouloir attirer des gens à Saint-Lambert plutôt que d'aller dans des belles tours à l'île des Sœurs ou à Brossard qu'on veuille s'installer sur le bord du fleuve ici à Saint-Lambert parce que c'est une belle ville. Puis, je suis prête à aller de l'avant avec ce projet-là. Mais pas pour voir bâtir un triplex ou un quatre étages, ça me briserait le cœur. Fait que tant qu'à faire quelque chose, j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose de beau, qui va attirer les gens, comme je vous dis, pas un petit trois ou un quatre étages. Quelque chose qui fait wow. On est à quel endroit? J'habite au 15 Edison, en arrière du Sonic. OK. Donc là, vous parlez du Sonic en tant que tel? Bien, j'habite De votre adresse à vous ou du secteur en général? Pardon? Est-ce que vous... Oui, vous savez que... Vous savez où j'habite. Donc, je comprends tout ce que les gens disent. On veut pas de monde dans notre cour, on veut pas plus de monde, tout. Ça dérange le trafic, tout ça. Je le comprends, mais je comprends la situation du besoin de densification que je trouve logique. Et ce que je dis, c'est que tant qu'à faire quelque chose, j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose de beau, sinon, on ne fait pas les choses à moitié. Alors, vous, simplement. Caroline, vous parlez des terrains sur Riverside, c'est ça? Je suis sur Edison. Vous êtes sur Edison et vous êtes proche de Riverside. Oui. Alors, pour vous, ce serait quoi le bon nombre d'étages près de chez vous sur Riverside? Je n'ai pas de connaissances en architecture comme madame. Écoutez, moi, dans la vie, je travaille dans un salon funéraire. Je ne connais pas ça. Je ne sais pas si ça a l'air de quoi, la vue chez nous à 12 étages. Je ne sais pas. Je sais juste que de ma fenêtre de cuisine, je vois la place Ville-Marie. Je ne peux pas vous dire combien d'étages seraient adéquats, mais je ne voudrais pas laisser ma maison pour un triplex. C'est clair. C'est clair. OK. Okay? C'est si bon. On fait de quoi, on Merci. Fait de quoi de beau, sinon on ne le fait pas, puis je reste chez nous, puis je vais continuer à jardiner dans mon petit jardin. Merci. Merci pour... S'il vous plaît, on ne fera pas de ping-pong. Donc. Je suis venue le 7, hier soir, je ne pouvais pas être là. J'aurais beaucoup aimé ça, mais je regarderai en redifféré. Parfait. Merci, on a bien noté votre intervention. J'avais ensuite Hugues Letourneau. S'il est là, on prendrait votre intervention, monsieur. Je vous remercie de nous entendre, puis je vous remercie aussi d'avoir été là 3 jours, c'est pas rien. Alors, monsieur, si vous pouvez juste remonter le micro. Donc, apprécier la qualité de Mme Fortin dans ses présentations et de votre appui aussi dans vos réponses conjointes. 2 questions. La première question porte sur les arbres. Il a été question lors de la première journée qu'un propriétaire qui voudrait faire des travaux et pour lequel ça signifierait d'abattre donc un arbre de 25 cm, à ce moment-là, c'est le conseil qui devrait décider. Alors, je vis dans Saint-Lambert depuis à peu près 38 ans et je suis allé mesurer qu'est-ce que ça a l'air, donc, un arbre de 25 cm. Et 25 cm, c'est un arbre de 20 ans, à peu près. Alors, ma proposition serait la suivante, c'est qu'au lieu d'aller à 25, je vous proposerais 15 cm. Alors, pas plus gros, mais plus petit.
Saint-Lambert s'apprête dans les prochains jours donc à planter 2000 arbres. Alors, c'est donc dire que nos arbres, nous y tenons. Et l'année prochaine, peut-être 10 000 arbres. Qui sait? Alors, c'est ma première question, c'est-à-dire c'est ma première suggestion. La deuxième, ce que je sais, ben, je peux vous dire que depuis 38 ans, je cède ma place de stationnement dans le centre-ville. Je marche, je prends mon vélo. Nous avons eu 3 enfants, ils ont fréquenté le CPE, Saint-Ange. Bref, on a vécu sur nos deux jambes. Alors, c'est donc dire que dans cette idée de la proximité, on peut s'améliorer, on peut moins polluer, puis on peut faire en sorte que ceux qui sont plus loin profitent de l'espace de stationnement qu'on leur partage. Bon. Il est toujours question de stationnement lorsqu'on construit des immeubles et lorsqu'on densifie. Ma préoccupation, c'est l'autopartage. Alors, ce que je lisais dans la première journée, puis là, vous pouvez me reprendre, c'est qu'on va promouvoir l'autopartage. On va faire en sorte d'encourager le contracteur. Quant à moi, je vais juste vous partager, donc en deux mots, notre fille donc, a vécu 3 ans, c'est à Vancouver, et dans son immeuble, il y avait 3 autos. 3 autos, donc en autopartage. Elle a vécu là 3 ans, ils n'ont jamais été propriétaires d'auto, ils se débrouillaient. Alors, l'autopartage, c'est un moyen pour faire en sorte, un, que l'air de Saint-Lambert soit meilleur et qu'en même temps, qu'on ait moins de circulation, puis ceux qui sont plus loin profitent des places de stationnement qu'on ne leur prend pas. Je voudrais vous citer là-dessus un article. Si ça peut être bref, monsieur. Le Devoir, ça va être très court, vous allez voir. Merci. Parce que je me suis préparé, fait que je fais en sorte là, que ce soit peu de mots. Dans le Devoir de samedi passé, il y avait donc un numéro spécial sur l'environnement et il y avait donc une page sur l'autopartage et je vous ai retenu pour vous partager cette petite citation. Selon des études réalisées par des chercheurs de Polytechnique Montréal. Chaque voiture d'autopartage de Communauto remplace 10,2 voitures privées. C'est pas rien. Les usagers, donc, utilisent 4 fois moins la voiture parce qu'ils se trouvent d'autres moyens pour se transporter. Le vélo, la marche, l'autobus, dans le fond, tout ce qui est de la mobilité durable. Alors, si on n'y va pas, les gens n'iront pas naturellement. Il faut qu'on s'encourage collectivement. Alors, je vous suggérerais, parce que dans ce que j'ai entendu, on va de 0,75 à 1,25, je pense, dans les nouveaux immeubles. Vous imposez des véhicules d'autopartage dans chaque immeuble, puis à ce moment-là, chaque autopartage, vous réduisez le nombre de places en fonction de ce nombre d'autos. Et ça, il faut le faire et il faut l'imposer dans la réglementation dès le début. Et pas seulement des places, mais des autos qui les occupent. Il faut que le contracteur marche là-dedans, puis les gens qui vont vivre dans ces immeubles vont aussi marcher là-dedans. Fait que c'est ma suggestion. Merci, on a bien compris. Merci. Le prochain sur la liste, c'est M. Louis Mignot. Si je parle trop, vous m'imposerez la même règle que les autres. Ça sera ma seule intervention. Le temps, M. Mignot.
Est-ce que pour commencer, vous avez faut que j'ai un début, un milieu, une intervention? Une fin. Une intervention? Oui. Une intervention, oui. Oui, allez-y. Merci, on s'est compris. D'accord, donc je suis Louis Mignot, je suis résident de la ville voisine, travailleur à Saint-Lambert. J'ai participé à toutes les séances avec plaisir, j'ai entendu de très bons arguments. J'ai parlé avec les gens, la population, les résidents, bien entendu les gens qui travaillent à la ville, les autorités, tout ça. Alors, j'ai recueilli beaucoup de commentaires et j'ai été touché. Dans plusieurs des cas, c'était touchant. Ce qui fait mal au cœur, c'est que les villes changent. Et je n'ai pas le temps, bien entendu, parce que je vais être arrêté, puis c'est pour une bonne raison. Je ne peux pas résumer tout ce qui m'a touché, mais en gros, je dirais dans une seule phrase que quand les gens disent « j'ai choisi Saint-Lambert avec un coup de cœur » et « Saint-Lambert change », ça me fait mal. Moi, ça me touche, ça. J'ai acheté parce qu'il y avait un zonage à côté qui était de deux étages, il y avait une vue, il y avait de la place pour se stationner, la garderie, et j'en passe. Ça, c'est touchant parce que, en tant qu'être humain, we can relate, hein? On peut se sentir comme l'autre parce qu'on a tous vécu ça. Et moi, j'ai toujours été en immobilier depuis 34 ans, en développement immobilier, Canada, États-Unis. Monsieur Mignot, je vous inviterai juste à oh, pardon. Vous adresser à moi. Non, mais c'est parce que je voulais leur parler avec le cœur pour leur dire que j'avais été touché. Mais désolé, je le ferai. Et j'entends ces commentaires partout dans les villes où j'ai travaillé, que ce soit dans le reste du Canada ou aux États-Unis. C'est ça, c'est la transformation des villes, puis c'est vrai que ça fait mal. Et c'est pour ça que j'apprécie le travail massif, colossal qui a été fait par le consultant de la municipalité urbaniste et aussi, bien entendu, les gens de la ville qui ont travaillé d'arrache-pied pour essayer d'atténuer l'impact qu'on dit inévitable des villes qui progressent, qui ont de plus en plus de population. Ça fait mal. Bien, en retour, ça prend le génie humain pour compenser. C'est vos règles. Moi, j'ai pris le temps de lire les briques que vous avez produites. Et puis, vous avez des règles d'aménagement paysager, des règles d'intégration architecturale, des marges de recul pour se dégager. Tout ce que vous nous expliquez très bien en début de chaque session, bien, ça, c'est le génie humain qui essaie d'atténuer l'impact inévitable d'accroissement de la population. Bon. Maintenant, en 1995, il y a 27 ans, j'ai travaillé avec la famille Lemieux pour lancer le Haut-Saint-Lambert comme promoteur immobilier. C'est un terrain contaminé dont personne ne voulait, dans une récession avec un taux d'intérêt atroce, avec une récession en W, deux récessions de suite. C'était très difficile. Bon, mais on faisait des maisons unifamiliales détachées. On a consulté, on n'avait pas à le faire, là, 350 personnes dans la population. On s'est réservé une roulotte pour consulter la population. Que voulez-vous? Puis on a fait deux étages. On a fait ce que les gens voulaient. Puis un condominium de trois étages qui s'appelait le Lambertois. Dans la publicité, hein, moi j'étais en charge des études de marché, communication, vente et tout ça. Dans la publicité, on annonçait que vous aviez le taux de taxation le plus bas du Grand Montréal. On barbait dans la presse, il n'y avait pas de médias électroniques, on barbait le Grand Montréal en disant « c'est ici qu'on a la ville la plus jolie, la plus prestigieuse, puis en plus, les taxes sont aux plus basses ». Je m'en vais faire des développements immobiliers un peu partout, à gauche et à droite, je reviens, fast forward comme on dit, 2022, je vais sur Internet, je trouve aujourd'hui que c'est dans les villes les plus chères du Québec. Saint-Lambert, qu'est-ce qui s'est passé? On trouve ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Il y a Longueuil qui est un peu plus cher, Trois-Rivières, c'est tout dans cette classification. Donc, mon point est que le statu quo qu'on aime autant, puis moi aussi je l'aime le statu quo, puis moi aussi je crains dans les endroits où je vis qu'il y ait de la densité, mais le statu quo, le fait que depuis 2016, il y a l'impossibilité de revoir le zonage, même si le gouvernement du Québec et la CMM et l'arrondissement, bon, le demandent, l'exigent, hein, vous savez, ça fait deux extensions, Mme la mairesse nous a expliqué, qu'il y a eu, parce que la ville, contrairement aux autres villes, n'a pas refait son zonage, puis c'est demandé par des instances gouvernementales supérieures, ça fait deux extensions. Donc, le statu quo dont la ville a profité
n'a pas fonctionné, ça a créé un endettement. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, je ne parlerai pas, sinon, si la solution actuelle fonctionnerait. Nous, comme promoteurs immobiliers, au Colorado, on fait des maisons 2 étages, puis ça fonctionne. Ce n'est pas la hauteur qui compte. Je veux dire, nous, on veut faire le compromis qui va fonctionner. Mais là, aujourd'hui, il faut que je parle, parce qu'il y a des gens d'expérience qui ont parlé en immobilier. Bon, ben, moi, ça donne que j'en ai un petit peu. Alors, je suis allé sur l'Internet, comme vous pouvez le faire, et j'ai regardé avec le taux de taxation seulement pour Saint-Lambert. Parce que j'ai écouté les résidents qui ont dit, attention, les taxes, plus de la moitié va à ce qu'on appelle l'agglomération et CMM. Alors, j'ai retiré aussi le paiement comptant progressif parce que je ne savais pas ce que c'était, je ne voulais pas rien biaiser. Je n'ai pris que Saint-Lambert, le taux de taxation 0,466. Et voici les chiffres dont on parlait plus tôt. Plutôt, il y a des gens qui ont dit « Montrez-nous des chiffres, ville. Prouvez-nous que la densité fonctionne. » Mais la densité fonctionne à travers le monde. On ne peut pas aller aujourd'hui la contredire en disant « C'est pas payant, la ville va perdre l'argent avec la densité. » Le gouvernement du Québec, même lui, la force, pas pour appauvrir les villes, parce qu'on sait que c'est prouvé que ça fonctionne. Alors, voici des chiffres. Mais juste pour vous donner des chiffres, vous en ferez ce que vous en voulez. Je vais vous inviter à conclure votre intervention. À conclure, oui, s'il vous plaît. Si on prend un terrain de 24 000 pieds carrés, où est-ce qu'on a l'équivalent de 3 maisons unifamiliales détachées, pour se donner une idée, là, 8 000 pieds carrés chaque de terrain, ben, ces 3 maisons unifamiliales, qui sont magnifiques, surtout ici, rapporteraient 9 758 de taxes à Saint-Lambert seulement, je ne parle pas de la CMM. Mais pour aller à l'extrême, parce qu'on m'y pousse, pour le 13 étages que j'ai vu dans votre plan, qui était le maximum, on parle de 211 432. Alors, le coût additionnel des infrastructures, on parle de 9 758 à 211 432 $ par année. Si on va à 6 étages, on tombe à 97 584. Il y a 2 intervenants hier qui ont dit « On a un gros problème financier. Êtes-vous certain que vous êtes assez densifié? » Je suis allé voir les chiffres pour savoir si ça avait de l'allure, ce qu'ils disaient. Ben, il y a une certaine logique pour ceux qui veulent aider la situation financière. Donc, quel est mon point? Mon point, c'est que les chiffres sont faciles à trouver et à vérifier. Et dans 10 ans d'ici, pour vous donner un exemple, sur le même 24 000 pieds carrés qui est tout petit, on parle de 12 732 $ par année si c'était des maisons unifamiliales détachées. Puis on parle de 276 000 en 13 étages. Puis les fameux 6 étages dont vous parlez souvent, ben 125 325. Mon point, c'est une vérité de la palisse. Et vous êtes urbaniste. Vous pouvez l'expliquer encore mieux que moi. C'est prouvé. On peut trouver toutes sortes de solutions, mais je ne pense pas qu'on va avoir du succès au gouvernement du Québec en demandant une 3e extension sur la base qu'à Saint-Lambert, contrairement au reste du Québec, du Canada et des États-Unis, ça ne fonctionne pas la densité pour aider la situation financière. Merci. Merci pour votre intervention. Il reste peu de temps. J'ai une dernière personne inscrite pour une question. C'est Sonia Tello. J'espère que je le prononce bien. Oui. La parole est à vous. Bonsoir. Sonia Tello. J'habite les 28 Saint-Denis. Une maison de 1890. On a 2 maisons, en fait, les 28 et les 30. Les 30 ont gardé les cachets de la maison. Et les 28, c'était rénové les années 80, mais on essaye de garder aussi les cachets. Et on comprend la préoccupation de notre ville et d'autres villes pour la densité. C'est une réalité. Mais on ne pense pas, on a fait notre devoir avec Mathieu, mon mari, Mathieu Brossard, et on ne pense pas que la justification économique soit la seule à prendre en considération. Et on est préoccupé pour la personnalité de notre ville. Et là, des propositions plutôt, parce qu'on a fait les devoirs, on est allé étudier les documents qui sont publiés sur l'Internet. Et on a quelques sites que nous, on s'est dit, mais si on peut proposer quelque chose, mais on sait que c'est discrétionnaire. Et dans notre rue, il a le lot CB5, là, l'ancien boutin, où on est proposé un changement pour faire un bâtiment de 5 étages. Nous, on a une expérience dans notre rue, qui n'est pas si ancienne, c'est les 4, 6, 8, 10 Saint-Denis, que c'est devenu des petites maisons. Ça, c'était, on se rappelle encore, et dans les conseils était Dominique Lebeau, que je suis contente que les comités éco-citoyens soient écoutés, parce qu'il fait partie, et ils se sont battus pour que ce soit des petites maisons. Là, on s'est dit, est-il possible de faire quelque chose d'intéressant comme ça? Mm-hmm.
pas un bâtiment de 5 étages, mais des petites maisons. Et sinon, pour les lots 5, RD5 à Saint-Laurent, là, ce n'est pas clair parce que, selon ce qu'on voyait, il semblerait que la zone semble inclure les parcs. Donc, on s'est dit, étant donné la situation actuelle, il ne fait pas de sens d'enlever les verts. Donc, ça, c'est une question. Est-ce que la partie verte va disparaître? Puis, les RD30, là aussi, on n'habite pas sur, sur la Edison, mais nous aussi, on s'est dit, 12 étages, là, il faut les penser bien, là. On ne peut pas faire un 12 étages parce qu'on veut offrir une belle vue à des gens qui vont habiter à Saint-Lambert. Donc, il faut bien penser la question. Puis, dernière, la toute dernière, est Notre-Dame. Là, moi, j'ai rejoint Marie, la question de Marie, pour le patrimoine de la ville. Est-ce qu'un bâtiment de nombre d'étages qui est proposé est cohérent avec la personnalité de Saint-Lambert? Et là aussi, on a choisi, Mathieu, de retourner à Saint-Lambert parce qu'il est en Saint-Lambertois, moi d'habiter ici parce qu'on aime ça, la qualité de la ville. Donc, un changement de règlement, même si les projets ne seront pas faits demain, mais si on change les règlements, c'est pour les 100-200 prochaines années. Donc, ma question, est-ce qu'on peut prendre plus de temps pour réfléchir au projet des changements? Donc, est-ce que vous souhaitez qu'on réponde uniquement à cette question-là? Parce qu'il y avait plusieurs petites interventions dans ce que vous dites. Mais donc, moi, j'aimerais... Est-ce qu'on peut prendre le temps? Oui, mais surtout, la question, et ce n'est pas pour répondre maintenant, mais pour réfléchir en conseil, et les gens qui font partie du conseil, est-ce qu'on peut prendre plus de temps pour réfléchir au projet? C'est un projet qui nous touche pour les prochaines générations. Donc, ce n'est pas demain, c'est après-demain, peut-être les 12 étages, ce n'est pas demain, mais ça va être la génération de mes enfants et de vos enfants. Donc, on habite la ville, ce n'est pas des gens qui n'habitent pas la ville. Donc, on veut une ville qui conserve la qualité de vie, la personnalité de la ville. Merci. Ah, juste une petite chose, parce que j'entendais l'émission avec les commentaires sur les devoirs. Ça fait quelques semaines, dans les devoirs, il avait un cahier sur la densification des villes. Donc, l'exemple de Sainte-Catherine, qu'il semble qu'il a des décisions hyper intelligentes pour la densification, ça fait gros. Parce qu'on sent aussi, on se sent pris entre, excusez-moi, les décisions des promoteurs comme plus gros, plus grand, plus massif, en prenant juste les décisions économiques. Donc, on s'est dit, peut-être on peut faire autrement. Mais si je peux me permettre, il y a quelque chose d'intéressant que vous avez amené dans votre première observation sur la typologie, les petites maisons, comme vous dites, maisons de ville. Donc, comment on peut avoir une certaine densité, mais que ça n'ait pas nécessairement l'air de gros. Super size. Non, donc, super size. Je ne sais pas s'il y a des réactions sur les questions. Non, ça va? OK. On a écoulé une première heure de questions et là, j'ai plus de noms sur ma liste. Donc, je vous propose, comme on a fait hier, une petite pause d'une dizaine de minutes pour vous rafraîchir, vous détendre. Et puis, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut ici. Et puis, donc, on reviendrait, si le cœur vous en dit, à 20h40, où là, je prendrai les questions au fur et à mesure de la présentation des gens au micro. Donc, voilà, 10 minutes de pause.
La petite pause technique termine dans 40 secondes. OK. Donc, j'ai quelques noms supplémentaires qui se sont ajoutés à la période de questions au moment de la pause. J'ai deux personnes, en fait. Donc, à commencer par Jean-Philippe. Là, je m'excuse, j'ai peut-être pas le bon... Jean-Philippe Ruès? Oui. Allez-y, donc, sur la rue Green. On vous écoute. Oui. Bonjour, tout d'abord, merci de nous écouter. Je n'ai pas pu être présent dans les autres séances, là, alors vous m'en excuserez. Je voulais savoir, c'est peut-être un peu général, mais vous allez voir, je vais plus fermer l'entonnoir. Je voulais savoir, qu'est-ce que ça voulait dire, la densification pour vous? Nous, on a acheté une maison là, sur la rue Green. Il y a un logement A, accessoire, puis le but, c'était de reprendre ce logement-là pour faire une maison unifamiliale. Lorsqu'on passe devant cette maison-là, ça a littéralement l'air d'une maison, et même que les divisions à l'intérieur n'ont même pas changé. C'est mon frère qui habite en haut, va quitter prochainement. On voulait faire le projet dans les prochains mois. Est-ce que dans les nouveaux développements, au niveau de densification dans les projets de journage, etc., est-ce que ça peut affecter notre projet? Est-ce que je voulais juste savoir un peu où est-ce qu'on pourrait s'enligner avec ça? Parce que j'aurais pas acheté sinon. Je peux répéter. En fait, est-ce que vous voulez préciser c'est quoi l'immeuble présentement? Est-ce que c'est officiellement un duplex? C'est marqué deux logements. L'adresse, c'est le 165. C'est votre rôle d'évaluation? 165. C'est une 165. Oui. Puis un A. Il y a une unité. Ce que disait monsieur, il est venu me voir à la pause, il y a une unité A et il paye un deuxième logement sur son compte de taxes. Puis, donc, initialement, c'était littéralement une maison. Dans, je pourrais pas. Je voudrais genre sorte les, toutes les. Les documents, là, parce qu'on a les documents depuis la maison, hein, donc je me questionnais à savoir est-ce qu'on peut retirer ce logement-là officiellement pour qu'on puisse l'habiter et faire des rénovations majeures. C'est peut-être très précis, vous voyez, c'est pour ça, à la pause, j'ai dit je veux pas voler du temps à personne. Le zonage le permet, c'est un zonage mixte, mais le zonage le permet, mais bon, nous, on aura... Bien, oui, j'aimerais vous dire, comme c'est une très, très grande préoccupation du Conseil qui souhaite qu'on établisse l'interdiction de convertir des plexes en unifamiliales parce qu'il manque de logements, il y a une pénurie de logements, il y a tellement de gens qui sont en détresse parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Alors, on ne souhaite pas que des gens continuent à Saint-Lambert
à transformer des duplex et des triplex en unifamilial. Mais dans votre cas précisément, ben moi, je ne sais pas si vous avez un duplex. Je ne suis pas sûre, là, d'après ce que vous dites là. Parce que comme c'est arrivé avec quelques maisons dans votre quartier, ben il y a des unifamiliales où il y a des petits appartements qui ont été patentés là, dans les années 80-90, en catimini quasiment. Puis ça n'a jamais été fait pour être un duplex, ça n'a jamais été officiellement des duplex. Alors, il s'agit de voir si c'est ça votre cas. Puis là, ben, c'est Annick et son équipe qui pourra vous dire ça. Okay. Mais mes collègues sont là. Je pense qu'on s'aligne sur une belle unanimité au conseil quant à l'interdiction de convertir des plex en unifamiliales. Est-ce que vous pouvez nous répéter votre adresse? 165 Green. 165. OK. Merci. Merci. J'ai un dernier nom sur la liste, Max Dubois. Je vais vous inviter à venir poser votre question. Est-ce que c'est Edith Lemieux, c'est ça? Ah. Je ne sais pas si... est-ce que c'est correct si c'est tout de suite après? Oui, OK. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Bravo, parce que ce que j'ai lu... Pour venir ici, venir à une autre réunion, je trouve qu'il y a un plan d'avenir pour la collectivité à Saint-Lambert. Bravo, il y a une vision. Et j'aimerais qu'on ait le courage maintenant de se munir des moyens pour faire respecter cette vision-là. Et ma question est simple. Est-ce que vous allez prendre les moyens d'encadrement, non pas des citoyens, mais l'encadrement des contracteurs? L'encadrement des constructeurs, mettre des normes claires, définies, de construction, de vision, de clientélisme, à qui on s'adresse quand on construit. Parce que moi, je trouve, les dernières années, il s'est construit des trucs plutôt ordinaires, des trucs non architecturaux, des trucs qui ressemblent à des bunkers soviétiques, où il n'y a pas c'est peut-être personnel, mais il n'y a pas de notion de qualité de vie communale, de vie ensemble, pour la famille, pour le piéton, pour le vélo, pour le jardin, pour la vie du futur, et non plus pour la voiture. Est-ce qu'on peut redéfinir notre ville et que je puisse, cette semaine, vous demander, en un mot, quelle est votre définition de votre ville? C'est quoi la définition de votre ville? Parce qu'il nous faut une image claire de Saint-Lambert. C'est pas, il nous reste peu de terrain à développer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À qui on s'adresse? Qui est la clientèle qu'on veut attirer? Là, on fait des condos mal foutus, où on entend d'un bord puis de l'autre en dessous, partout. Plutôt cher pour ce que c'est. Pour des gens qui ne vivent pas, c'est des pieds à terre, qui partent dans leur maison de campagne. Il faut s'adresser à une clientèle citoyennes qui vivent à Saint-Lambert avec nous. Voilà. Mais il n'y a pas de question, ça a l'air. Hein? Plus un commentaire. Non, mais la question est, quel est le mot pour définir votre vision? Alors, quel est le mot pour la vision? Quelle est la vision? Répondez-moi pas là. Mais il faut trouver un mot qui définit le Saint-Lambert du futur. Ah. On y va ensemble? Hein, dans les grottes? Mais c'est ça qui manque. Il vous manque une vision parce que tout est là. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut une ville verte. On veut une ville verte du futur, agricole, pour nos enfants, à vélo, à pied. Voilà. Merci. Ah, excusez-moi. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'avais une dernière personne que je n'ai pas du tout votre nom sur la liste, par contre, donc je vais vous inviter à vous... C'est bon? OK. Mais juste me donner votre nom, Jocelyne en fait. Jocelyne Tanguay. Jocelyne Tanguay, très bien. Et votre adresse, on le demande d'habitude aux gens, mais... OK, fait que moi, j'étais au 301 à Chin. Je suis là depuis quelques années, mais je suis née à Saint-Lambert, encore plus longtemps. Votre question, je reste alors. Dans le coin de Paradessum. C'est sûr que je trouve ça déjà beaucoup dense. Quand je suis arrivée là, je trouvais que ça avait l'air d'un ghetto. Ils n'ont pas amélioré les choses en construisant Vivocité, qui a à peu près 300 logements de cage à poules. Ça n'a pas amélioré les choses. Mais
J'espère juste que le prochain développement de Saint-Charles, je suis d'accord qu'il faut avoir beaucoup de monde, je suis d'accord, je ne sais pas combien d'étages qu'il faut, mais il faut aussi que les gens, ce ne soient pas des gens de seconde zone, qu'on doit leur offrir aussi des services, et aussi des parcs. Il faut plus de parcs, pas en enlever, en rajouter. Est-ce que je peux vous demander de juste vous rapprocher un petit peu du micro, on ne vous entend pas très bien. Fait qu'il faut rajouter des parcs, il faut rajouter des piscines. C'est beau rajouter des arbres, mais il faut les mettre sur des terrains. Donc, il faut réserver des terrains, justement, pour mettre les arbres. Il faut rajouter des piscines, des services pour toutes les gens qu'on veut accueillir aussi. Là. Que ce ne soit pas des citoyens de deuxième zone parce qu'ils sont parqués, justement, à pointe sur la rue Saint-Charles. Il faut leur en donner aussi à eux autres. Donc, merci pour le commentaire. Donc, en gros, prévoir les services à même le peut-être futur quartier là, Saint-Charles. Bien, c'est tout pour les gens qui étaient sur la liste. Donc, on va continuer à prendre des questions si vous en avez. Si c'est le cas, je vais vous inviter à venir faire la ligne au micro. On n'a pas beaucoup de place, donc peut-être pas trop de personnes à la fois si vous permettez. Mais donc, si vous avez des questions, allez-y. Il n'y a pas d'autres questions que M. Grakowski en ce moment. Tout le monde a le droit, hein, M. Mignot, mais donc... Non, l'idée du fromage est bonne, mais c'est un gruyère parce qu'il y a plein de trous dans les rues. Alors, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il manque toujours un aspect essentiel, c'est-à-dire le coût des infrastructures. Mmh. Personne n'ose en parler. Mmh. On en a beaucoup parlé. Parce que vous avez un immeuble... Mais... Non, mais attendez, il vous faut plus d'eau, il faut des égouts. Qu'est-ce que vous allez faire? Éventrer la rue Hawk pour faire passer les tuyaux? Mais combien ça coûte? Mmh. Et vous avez 4 lignes de chemin de fer, il faut passer au travers, un tunnel, un pont. Est-ce que quelqu'un y a pensé à ça? Parce que ces gens-là vont être piégés par la voie ferrée. Personne n'y pense. Ou plutôt, ils y pensent peut-être, mais ce n'est pas dans l'intérêt des promoteurs de vous le faire savoir. Alors, j'ai posé la question aux promoteurs. Et tout ce que j'ai eu comme réponse, c'est « on vous souhaite une bonne journée ». Par écrit. Non. Écoutez, soyons sérieux. Si vous voulez faire quelque chose, il faut les coûts complets, y compris les coûts d'infrastructure. C'est très bien de dire « on a davantage de loyers », mais c'est faux de dire qu'il y a un profit. S'il y avait un profit, monsieur, on n'aurait pas 300 millions de dollars de dettes. Mais qu'il y a quelqu'un qui peut réfléchir à expliquer pourquoi on est dans ce trou. Donc, alors, ce que je dis, c'est qu'on s'est développé d'une mauvaise manière, c'est-à-dire que l'administration n'a jamais comptabilisé le vrai coût des structures. Alors, pour une fois, un changement de culture lambertoise, un changement, s'il vous plaît, vous faites un plan d'urbanisme, c'est très bien, c'est votre travail, j'apprécie ça, mais je voudrais voir, pour chaque possibilité du plan, le coût à la municipalité. Parce que quand vous allez faire le coût à la municipalité... et l'opposé au revenu, vous allez voir que vous allez payer de votre poche. Sinon, mes taxes n'auraient pas monté de 16%. D'accord? Alors, je vous encourage à être honnête. Honnête dans le sens, je pense que vous êtes honnête, pas volé, mais honnête dans le sens où vous examinez toutes les possibilités et les paramètres. Ouais. Et ça n'a pas été fait. Donc, c'est tout. Alors, parfait. S'il vous plaît... examiner tous les paramètres, et là, on prendra une décision. C'est bien entendu. Jusqu'à présent, c'est juste du placotage. Mm-hmm. C'est ce que je fais maintenant. Je comprends. Très bien. Donc, sur les potentiels et les études, le coût des infrastructures, c'est bien noté. Oui, on vous écoute. Vous pouvez vous renommer. Oui, Sonia Tello, 28 Saint-Denis. Et j'ai réfléchi pendant qu'on parle, et je pose la question, quel est le réalisme de demander d'arrêter le processus et de recommencer l'automne? Vraiment là, dans l'essence des Max, recommencer avec une vraie participation citoyenne. Repenser notre ville ensemble. Pas se faire imposer parce que la loi dit que, mais penser comment, qu'est-ce qu'on veut comme ville, et décider ensemble, prendre la décision ensemble. Ouais. Ici, ensemble, on dit, ben, on veut les trains cet âge, mais les faire ensemble plutôt que nous... On est quand même, on se sent une pression. Il faut décider. Dans 10 jours, on fait ça. Ah, sinon, référendum. Là, est-ce qu'on peut s'arrêter, les faire? Madame, on n'a pas le choix. On est en retard depuis 2016. Depuis 2016 que notre ville était tenue
d'harmoniser son plan d'urbanisme, ses règlements, avec le schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil. C'est une loi au-dessus de notre tête, une loi du Québec au-dessus de notre tête, et on n'a pas le choix que de se conformer. On a déjà demandé deux fois à la ministre des Affaires municipales de nous donner un délai additionnel parce qu'on n'aboutissait pas, puis on était en retard, puis on n'en avait pas une refonte de notre urbanisme. On ne peut pas retourner une troisième fois. Au-delà de ça, j'aimerais rajouter que il y a eu des consultations publiques en 2021 qui ont duré plusieurs semaines sur les projets qui ont été adoptés il y a à peine deux mois. Donc, suite à ces consultations-là publiques, ce qui avait été rendu… En fait, un premier projet de règlement avait été présenté publiquement sans être adopté. La consultation préliminaire a été menée en 2021, au printemps 2021. Il y a eu des modifications dans ce qui a été adopté par le Conseil en mai cette année. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, c'est pas vrai que c'est précipité. Ma prédécesseure, le Conseil précédent, travaille sur ce vaste chantier depuis, en fait, 2017, avec la vision stratégique 2035, qui a été adoptée en 2019. Donc, la vision et le travail de conception avec l'ensemble des citoyens a déjà eu lieu. On vous a invité à cette étape-là en 2017-2018, et la vision stratégique pour l'horizon 2035 a été adoptée en 2019. De là est parti le chantier des outils de la révision des outils en urbanisme. Et là, donc, c'est la troisième fois qu'on consulte la population sur ce devenir de la ville au niveau territorial. Donc, je comprends que pour des gens qui commencent à s'intéresser à la question, ils sentent ça précipité, mais pour la ville, pour l'administration, pour le conseil, même, on a fait beaucoup de rattrapage avec les élus nouvellement arrivés depuis novembre, mais le travail n'est pas précipité du tout. Il y a eu beaucoup de têtes, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion qui a mené à ces documents-là. Il y a eu au-dessus de 300 personnes qui ont participé à la vision stratégique, au-dessus de 500 personnes qui ont participé l'année dernière aux consultations préliminaires en ligne. Le rapport est toujours en ligne si vous souhaitez le consulter. Donc, on n'est pas du tout dans une démarche précipitée. Et sans compter que la consultation contient depuis trois jours complète. On a entendu beaucoup de commentaires, on a pris beaucoup de notes. C'est pas parce qu'on ne répond pas que ce que vous dites n'a pas de sens, là. Au contraire, on prend des notes. Évidemment, avec le conseil, on prendra le temps de regarder l'ensemble, parce que l'objectif du conseil, c'est d'avoir une vision d'ensemble dans l'intérêt collectif de la communauté. Donc, il y a effectivement toutes sortes de situations qui sont évoquées, certaines qui ont été réfléchies, décidées dans un sens, certaines qui ont été omises, puis c'est ça le sens de la consultation publique. Et c'est pour ça qu'on s'est adjoint une expertise externe pour être certain d'avoir un regard et de saisir tout ce qui s'est dit dans la consultation pour qu'à la fin, prendre les meilleures décisions. Mais évidemment, c'est dans l'intérêt collectif où il va y avoir des équilibres. Parce que c'est un travail d'équilibriste, là. Évidemment, il y a plusieurs impératifs. Il y a l'aspect de la densité, il y a l'aspect de la circulation, il y a l'aspect de la cohabitation. Donc, il y a plusieurs éléments de la mixité sociale. Et Annick fait bien de le répéter, sur la vision de qu'est-ce que nous voulons, il y a plusieurs éléments qui fondent la refonte, qui sont dans la vision de la ville, dans les documents, que ce soit le plan d'urbanisme, sur des diagnostics, soit socio-économiques de la ville, pour que, justement, l'urbanisme réponde à ces impératifs socio-économiques. Et donc, c'est l'ensemble de cette démarche-là qu'Annick a recensée depuis 2019 qui doit trouver son aboutissement dans le meilleur projet possible, mais en respectant, évidemment, les impératifs et les équilibres de tous et chacun. C'était ça le sens des trois derniers jours. Peut-être juste pour finir, et en profitant… Brièvement, oui. Oui, l'Institut du Nouveau Monde est là. Nous rappeler aux citoyens ces processus et les résultats. Je ne sais pas si c'est possible de faire, c'est assez facile de faire des fiches synthèses. Si une vision de ville et des gens comme Max qui participent énormément à la vie de la ville et moi que je m'implique aussi, on ne se rappelle pas, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ne se rappellent pas de la vision de la ville.
Donc, juste nous faire, pas les documents des 200 pages, mais une fiche en ligne. En ligne, vous avez beaucoup de matériel, notamment les projets qui ont été adoptés par le Conseil, le plan d'urbanisme, les plans particuliers. Vous avez aussi les versions 2021 qui ont fait l'objet d'un rapport de consultation publique qui est aussi en ligne. Et on a pris la peine de préparer une analyse comparative des changements entre la première version et la deuxième version, justement pour alimenter la discussion publique. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup de matière déjà disponible pour vous faire la meilleure tête possible. On l'a fait l'exercice parce qu'on est allé voir avec mon mari, mais juste peut-être une infolettre qu'on reçoit à la ville, nous rappeler ça, c'est simple. Mais nous rappeler pour qu'il soit consensuel. Oui. Je vois ici, et ce n'est pas la plupart qui dit « Yeah! » Qui disait qu'il reste à la maison. Ah? Non, mais voilà, c'est juste un conseil parce que c'est une ville et on vous a élu pour nous représenter, mais il faut se sentir représenté. Donc, sentir qu'une décision politique est imposée, ça ne marche pas. Donc, juste nous rappeler, la vision depuis 2017, c'est celle-là en trois paragraphes. On a décidé ça et c'est en ce sens-là qu'on fait ça. Sinon, ça ne marche pas, là, c'est notre ville. Dans les Merci. Premières pages du plan d'urbanisme, on rappelle cette vision-là. Donc, puis on vous met un échéancier aussi sur la page web avec toutes les étapes préliminaires. Donc, les citoyens pourront trouver réponse. Merci. Je vois une dernière personne. Qui est vous? Allez-y. Mais juste avant que vous preniez la parole, comme il n'y a pas de personne qui n'a pas encore posé de questions après vous, qui n'a personne, en fait, présentement après vous, ce serait la dernière intervention. Donc, allez-y, on vous écoute. Ben, donc, mettez-vous en ligne, s'il vous plaît. Marie Legault, 9 et 11 Lorne. On a parlé de densification, d'avoir des plusieurs étages, de un peu partout, là. Ouais. Mais moi, j'aimerais savoir qui on cible, qui on veut avoir dans ces multiplexes-là des c'est familles. Donc, c'est ça votre question, c'est quelle est la clientèle? C'est qui? Parce que on en a peut-être parlé, j'y étais pas. Mm-hmm. Je suis pas une très grande fan de l'Internet. Déjà que je travaille avec l'Internet, quand j'arrive chez nous, je me repose de l'Internet. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est qui? Parce que je suis pas sûre, moi, qu'on va avoir des grandes familles à trois, quatre enfants. Donc, votre question, c'est qui c'est? Qui sont vous les voulez gens avoir? Des gens âgés? Les projets de densification. Oui. Est-ce qu'on pourrait reformuler la question, qui a besoin d'un logement? Qui a besoin d'un logement présentement à Saint-Lambert? Alors, il y a plusieurs groupes qui ont besoin de logements à Saint-Lambert. Il y a des gens qui, à l'approche de la retraite ou à la retraite, souhaitent vendre leur maison devenue trop grande à Saint-Lambert et veulent rester à Saint-Lambert, mais n'ont plus le goût de s'occuper d'un terrain, d'une piscine, d'une haie, du gazon, des fleurs et souhaitent aller dans un appartement locatif ou un condo, mais il n'y en a pas, il n'y en a pas assez. Alors, on a su de notre campagne électorale il y a quelques mois à peine, là, qu'il y a beaucoup de Lambertois qui sont embêtés par ça, et ils ne veulent pas quitter la ville, parce que Max demandait qu'est-ce qui définit notre ville, là. Notre ville, c'est une communauté, puis on est attaché à notre communauté, puis on ne veut pas s'en aller. Puis on a des enfants, puis les enfants veulent revenir vivre ici quand ils sont grands. Alors, ça, c'est la première catégorie. L'autre catégorie, grosso modo, les grandes lignes. Alors, il y a justement des jeunes couples qui veulent revenir à Saint-Lambert, des jeunes de Saint-Lambert, des jeunes d'ailleurs qui aiment notre ville puis qui veulent s'installer ici pour éventuellement avoir des enfants, ou des jeunes familles qui ont déjà un enfant, deux enfants peut-être, puis qui veulent faire partie de notre communauté. Il y a aussi des couples qui se séparent, des couples qui habitent à Saint-Lambert, qui ont des enfants, qui habitent dans des maisons, ils se séparent. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Bien, il faut rester à Saint-Lambert. Puis de toute façon, le couple veut rester à Saint-Lambert parce que les enfants sont à l'école. Puis les deux parents veulent rester à Saint-Lambert. Mais il y en a un, typiquement, on est dans les généralités, là. Un garde la maison, mais l'autre doit se trouver un logement. Alors, ces gens-là ont besoin d'appartements pour y vivre parce que, en tout cas, on n'entre pas dans les détails de qui a les moyens de faire quoi, mais mettons que c'est un...
C'est un scénario assez typique, celui-là. Donc, sans entrer sur... Oui, excusez, allez-y. Ben, je vais finir ma petite liste. Oui. Là, j'arrive pas mal au dernier item, mais il y a des gens retraités, des gens célibataires, des gens qui travaillent puis qui ont le goût d'habiter dans notre communauté. Alors, c'est un peu tout ce monde-là. Peut-être que j'en oublie, mais il me semble que c'est ça qu'on a entendu comme type de gens qui veulent des nouveaux logements à Saint-Lambert. Donc, pour le reformuler, c'est vous cherchez une diversité de typologie, répondre à une diversité de besoins au travers de votre densification, peu importe la forme qu'elle Absolument. Aura en termes d'artis. Oui. Ce que je comprends, c'est que finalement, ça va être des gens de Saint-Lambert qui vivent à Saint-Lambert, qui vont rester à Saint-Lambert. Il n'y aura pas du nouveau monde. Je ne sais pas s'il y a une réaction à ça, là. Je vais juste vous inviter à pas vous, comme parce que ça devient très difficile à gérer si vous vous renvoyez la balle à l'intérieur de l'assistance. Mais si vous avez des questions, hein, le micro est encore là. Mais donc, pour répondre à ce qui vient d'être dit, est-ce qu'on cible quand même une clientèle qui est une clientèle ou des nouveaux citoyens qui sont des gens qui ne viennent pas de Saint-Lambert? Bien, je pense que c'est inévitable. Puis on l'a vu dans les dernières années, les maisons de Saint-Lambert ont été beaucoup vendues à des jeunes couples, des jeunes familles qui sont arrivées de Montréal. Des gens qui habitaient au Plateau, puis dans Griffintown, puis qui cherchaient des maisons à Outremont, à Ville-Mont-Royal, puis qui n'en trouvaient pas, puis qui sont venus à Saint-Lambert, puis finalement, ils sont bien contents d'être ici, puis j'ai l'impression qu'ils sont ici pour un bout. Mais je pense que ça va... Ah oui, d'ailleurs! oui, Virginie, c'est exactement son cas. Et puis, il y en a beaucoup de jeunes familles comme ça, alors... C'est inévitable, mais de toute façon, on ne pourra jamais écrire dans un règlement « on construit réservé aux citoyens ». Oui, c'est ça. Il y a des affaires qu'on ne peut pas prévoir d'avance, puis il y a surtout des affaires qu'on ne peut pas écrire. Alors, mais on s'attend à ça, que ce soit une mixité oui. de citoyens qui habitent ici puis qui veulent continuer à habiter ici, plus de nouveaux résidents. Oui. Merci. On avait une dernière intervention, monsieur, si vous voulez bien venir au micro. Et vous nommez, je ne sais pas si vous êtes dans la liste. Non, je ne suis pas dans la liste. Oui. Peut-être comme ça, voilà. Bien, j'en fais partie de ces couples, ces familles-là qui ont déménagé ici. Je suis plus jeune, là, mais quand j'étais plus jeune, avec des jeunes enfants venus du Plateau. Et ça me fait penser, d'ailleurs, je pense que c'était dans les invasions barbares, où ils plaisantaient, il y avait une famille ou un personnage qui habitait à Saint-Lambert, il a fait un joke sur ça, ah, t'as une famille, puis t'as déménagé du Plateau, tu nous as laissé sur l'île tout seul pour les banlieues. félicitations. Moi, je reconnais ma ville dans la vision que vous avez, dont on parle ici. La vision de la ville, alors, on parle de c'est un commentaire avec une question à la fin, là, OK? C'est parfait. Je vous nommer, et puis votre adresse, moi, je suis Anthony Lemke, j'habite ici sur Dulwich, 582. Et auparavant, j'habitais sur la rue Crescent, dans un duplex qu'on a converti un peu sur la catimini. Alors voilà, on est... on fait partie du problème. Mais voilà, la ville dans laquelle moi j'ai déménagé, OK, ça avait des tours à 13 étages. Ça avait des bâtiments à 6-7 étages sur la rue principale. Mm-hmm. Ça, c'est ma ville à moi, là. Alors, quand on parle de densité, des tours de 8 étages, mais écoute, on en a déjà. Mm. Et ça fait partie de la raison pour laquelle moi, j'ai déménagé ici. Moi, je suis travailleur autonome. La belle chose que j'ai perçue ici, c'est que n'importe quoi qui m'arrive dans la vie, je fais faillite dans ma vie. Mes enfants, tu sais, je peux déménager au bout de la rue, dans le duplex ou dans le sixplex ou dans le bâtiment à 13 étages. Je peux toujours, n'importe quoi qui m'arrive dans la vie, là, je peux rester ici. Mm. Mes enfants peuvent rester ici. Ça, c'est la première chose. Alors, je vous encourage de n'être pas timide avec la densité. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose,
je vous encourage aussi de ne pas laisser aller les terrains facilement dans les mains des promoteurs. Quand moi, je regarde Logia, je pense, est-ce que c'est la Saint-Lambert que moi, j'aurais voulu? Oui, en termes d'usage, absolument, c'est de la location, on a besoin de ça. Pourtant, c'est un peu comme un Sibérie, là, de la résidentielle. T'sais, oublie ça, la communauté, là. Je vois personne, là. Moi, je suis toujours sur la rue Saint-Charles à cause du fait que je passe beaucoup de temps au baseball. Il n'y a personne qui marche. Pour moi, la ville de Saint-Lambert, c'est une ville à vélo. C'est une ville à deux pieds. Il y avait quelqu'un ici qui a dit « à deux pieds ». J'ai passé ma vie à deux pieds. Il y avait d'autres... monsieur ici qui a dit, ben écoute, pourquoi est-ce qu'on n'échange pas les stationnements pour les places de d'autopartage? D'autopartage. Mmh. On a essayé ça. Moi, j'ai vendu, en redéménageant ici, j'ai vendu ma voiture, ma deuxième voiture. On a dit, ben écoute, on va essayer ça pour 2 ans. Oublie ça, là. Avec 3-4 voitures dans toute la ville, impossible. Mais si on avait de la densité de plus, si on avait de l'autopartage de plus, moi, j'aurais pu continuer avec cette ville-là. Alors, je vous encourage de penser à ces interventions-là pour bien encadrer le prochain promoteur qui aimerait construire le prochain Logia, que ça soit sur, ben, dans le PPU Saint-Charles, dans le ben, n'importe quel PPU, il y a plein de tours de 8 étages, 9 étages, 13 étages. Et je vous encouragerais aussi de penser un peu moins aux étages. Est-ce que c'est 4 étages? Est-ce que c'est 6 étages? L'important, c'est que ça contribue à notre communauté, qu'on demande à nos promoteurs de ne pas créer les Sibéries. Parce que c'est certain qu'eux, ils en voudraient. Parce que c'est payant. Moi, je fais une boîte. Si c'est 6 étages, ou 8 étages, ou 4 étages, je ferai une boîte. À moins que vous et nous, les forces, à dire, ben non, non, non. Faut que tu y mettes quelque chose de mix. Faut que tu mettes une garderie. Faut que tu ouvres ça à une place communautaire. Faut que tu sais pas une boîte comme ça, que c'est plus intéressant, que le monde, quand il promène, il regarde profondément, il y a des vues à 3 dimensions, au lieu de un mur comme ça, de 4 ou 6 ou 8. Peu importe, 8 étages, ça peut être joli. S'il y a des dimensions, la 3 dimensions, tu peux voir. Exemple, Woodstock et Victoria. Tu sais, le bâtiment, le fameux bâtiment de 13 étages que tout le monde haïsse. Pourtant, on vient de faire construire à Saint-Lambert, tu sais, dans le vieux Hartley's, le bâtiment, où est-ce qu'était le vieux Hartley's. Là, on a fait comme la nouvelle vision. Et moi, là, quand moi, je suis à côté de ce bâtiment-là, je pense, est-ce que c'est vraiment mieux? OK, c'est pas 13 étages, mais il n'y a pas d'arbres. Pourtant, Woodstock, quand je suis là, oui, il n'y a pas d'arbres, mais juste en haut de la Banque Royale, il y a comme une forêt. Alors ça, c'est un exemple où est-ce que, oui, on fait 13 étages, mais il a aussi fait un forêt privé, mais c'est un forêt que moi, je peux voir. Mais à côté du ancien Hartley, c'est comme un mur, tout le long. C'est pas que c'était mal fait, c'est joli, c'est bien, mais c'est simplement pour vous encourager de ne pas penser uniquement aux étages comme étant négatifs. Si on les encadre bien, ça peut aussi amener Woodstock, avec un forêt. C'est le seul forêt qu'on a qui n'est pas un parc. Et c'est un développement en immobilier qui nous a donné ce forêt-là. Et ça, c'est bizarre. Et en plus, c'est 13 étages. Alors, ayant écouté tout ce que j'ai écouté ici, j'aurais cru 13 étages, oublie ça, c'est l'enfer. On ne devrait absolument pas permettre ça. Mais ça nous a aussi donné le forêt urbain. Alors, c'est un peu ça. Alors, simplement, s'il vous plaît, dans le PPU Saint-Charles, par exemple, il y a un petit coin où est-ce que c'est mixte et le reste, c'est résidentiel. Mm.
Ma question pour vous, après une longue commentaire, c'est est-ce qu'on peut repenser ça pour leur forcer d'avoir de la mixité le long de Saint-Charles? Parce que là, ça encouragera la personne qui habite à Loggia de marcher jusqu'au centre-ville parce qu'il y aura des choses intéressantes à voir et de passer à travers. Au lieu de dire, ben écoute, là, c'est un Sibérie, 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 hop, oh, Parc Saint-Charles, Sibérie, Sibérie, et là, il y a tout ce qui est beau au centre-ville. Mixité, c'est tout. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a une réaction ou commentaire. Oui? Merci, hein, c'était vraiment intéressant ce que vous avez dit là, mais j'aimerais partager, étant donné qu'au début, je vous ai dit qu'on a fait des consultations, puis on a fait des rencontres avec des groupes, et notamment des promoteurs. Puis j'aimerais partager ce soir, là, après trois consultations, que c'est quand même assez intéressant de voir ce qui ressort des rencontres avec les promoteurs, dans le sens que tous nous ont dit, nous, on était là pour les écouter, là, hein, on voulait savoir... comment ils voyaient la refonte qu'on proposait. Et tous ont parlé du fait que c'est fini, là. Les buildings sont des boîtes à savon. Et tous, là, puis ils n'étaient pas là ensemble, hein. On a eu plusieurs rencontres, puis ils se connaissent peut-être, mais ils ne travaillent pas ensemble, c'est des concurrents quelque part. Mais ils ont tous dit que, là, la façon de construire des buildings, justement dans un contexte de densification, c'est beaucoup plus... De partir de pas très haut et puis graduellement de monter vers une espèce de pic dans le complexe. Comme ça, au niveau de la rue, au niveau de la communauté, c'est beaucoup plus agréable à vivre des buildings comme ça. Alors, les façades à soviétiques, là, ben, d'après les rencontres qu'on a eues, ben, c'est pas là-dedans que les tendances se trouvent. Et c'est assez réconfortant parce qu'en effet, on a des choses qui sont des façades plates dans tous les sens du mot, là. Et oh, c'est pas ça qu'on veut dans notre ville dorénavant. Alors ça, c'était... dans le fond, ce que je vous dis, c'est qu'on dirait que la tendance, c'est ça. Puis c'est pas juste des petits écarts pour arriver à des étages plus hauts, mais c'est des bons reculs, là, par rapport aux étages inférieurs. Puis... Dans notre règlement, les maximums qui sont prévus, bien, tant mieux si c'est dans cet esprit-là. Si jamais on dit on tolère, on accepte 6 étages sur une zone, bien, ça ne veut pas dire qu'on va vouloir du 6 étages en bloc partout. Ça peut être du 3, 4, 6. Puis le 6 étant en plein milieu du terrain, où ça n'obstruera pas nécessairement une vue, où ça ne fera pas nécessairement d'ombre. Alors, on espère que des promoteurs arriveront, si on se rend là, avec des projets de ce genre-là. Merci. Merci. Il y a une dernière intervention ici. Oui, bonsoir. Mon nom est Benoît Lemieux, 128 Place Théroux. Je regarde si vous êtes sur la liste. Oui, je suis sur la liste. Je pense que oui. Oui, allez-y. Bon, bonsoir. Je suis un promoteur-développeur. J'ai fait des projets avec mon père, Serge Lemieux, le Rive-Droite, les jardins intérieurs. On a développé le Haut-Saint-Lambert. Ensuite, il y a ma sœur Annie qui a fait des projets aussi ici. Puis, je suis venu ce soir pour écouter les commentaires. Ça a été très enrichissant. Et... merci beaucoup du partage de tout le monde, parce que comme développeur, la dernière chose qu'on veut... Ah oui, une petite chose aussi, je voulais rajouter, c'est que je voudrais aussi également dire que des fois, il y a eu des commentaires ce soir qui parlent de certains développeurs qui n'ont pas toujours été dans les règles de l'art, puis c'est important aussi de vraiment séparer ces... Des développeurs et des promoteurs, c'est comme un peu la société. Il y a toujours un 5-10% qui est un peu à l'écart, mais il y en a quand même une bonne proportion qui essaye de toujours faire la bonne chose. Fait que, puis je me considère que je suis une personne qui essaye de faire la bonne chose.
Mais je voulais juste vous remercier de tous les efforts, de tout ce que vous avez fait. Vous êtes là depuis le mois de novembre. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées. Puis votre programme, puis votre plan d'urbanisation, il est très bien fait. Puis, félicitations. Fait que je voulais juste partager ça. Puis, merci à tout le monde d'avoir donné les commentaires. Je pense que la question de l'eau, des infrastructures, de tout ça, c'est toutes des choses importantes. Mais en tant que développeur, c'est des choses qu'on doit considérer. Puis, en même temps, on essaye d'optimiser tout ça. Fait que merci à tous. Puis, je suis très fier d'être résident de Saint-Lambert. Merci. Merci pour votre intervention. Ça mettrait fin aux interventions. Voilà, je vais rappeler rapidement les prochaines étapes. Il y a beaucoup de gens qui étaient là déjà, mais on va quand même les rappeler. Je n'ai pas de support visuel, comme vous voyez. Je vous inviterai à aller, en fait, consulter le document en ligne, le document de la soirée d'hier soir, donc sur les trois PPU, à la diapositive 51. Vous pouvez noter ça. C'est tout écrit, donc les sept étapes. On a donc des projets de règlement et un projet de plan d'urbanisme qui ont été présentés et adoptés au Conseil en format de projet de règlement non final le 16 mai. On s'est vu le 7, le 14 et ce soir le 15 juin pour trois séances de consultation publique, comme vous le savez. Le 11 juillet 2022, comme disait Madame la mairesse, donc dans à peu près trois semaines, il y aura Conseil spécial pour adopter donc une seconde version de ces règlements-là. Par la suite, donc après la date du 11 juillet, vous avez deux recours possibles. Un qui est la Commission municipale du Québec. Si vous pensez qu'il y a une absence de conformité entre le plan d'urbanisme et les règlements, c'est là que ça se passe. C'est un délai de 30 jours. Mon Dieu, je m'interromps moi-même, c'est pas drôle. donc, CMQ, 30 jours. Et puis, le deuxième, c'est le référendum. Donc, il y a un délai également de 45 jours, je le lis là, suivant l'adoption du règlement, donc dans 45 jours après le 11 juillet, pour le dépôt d'une demande de référendum. Donc, ce qu'on appelle vulgairement une pétition sur un sujet ou un autre susceptible d'approbation référendaire, comme on dit. Donc, tous ces détails-là sont dans les avis publics aussi sur le site Internet de la Ville de Saint-Lambert. Si vous posez la question sur les modalités, si vous posez une question précise sur des modalités de recours, la Ville est en mesure aussi de vous donner l'information. C'est son rôle, là, je ne vais pas dire de vous accompagner, mais c'est un petit peu ça. Donc, de vous donner la bonne information sur la façon d'exercer ces recours-là, ces demandes-là. Par la suite, s'il n'y a pas de demande, les règlements vont à l'agglomération, qui joue le rôle de MRC. L'agglomération va donc, en fait, à 120 jours pour examiner la conformité des règlements qu'on a regardés ensemble, la conformité au fameux schéma d'aménagement, hein, adopté en 2016. Donc, l'agglomération dispose d'un délai pour regarder si ces règlements-là sont conformes ou non. Vous comprenez, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à des règlements finaux en vigueur. Hein. C'est suite au certificat de conformité de l'agglomération que les règlements sont en vigueur. Donc, toutes ces étapes-là, si vous ne m'avez pas suivi dans les 3-4 dernières minutes, ça peut faire l'objet de questions à la Ville qui pourra donc vous répondre. Vous avez l'information sur le site Internet de la Ville qui est encore là, qui va le demeurer, donc Saint-Lambert. saint-lambert.ca. Il y a un onglet « Refonte des outils d'urbanisme » sur la page de votre ville. Et sur cette page, vous avez un formulaire de commentaires écrits que vous pouvez soumettre jusqu'au 17 juin, donc jusqu'à vendredi, inclusivement. Tout ça, ça fait partie avec les trois séances, toutes les notes qu'on a prises à l'INM, donc pendant les trois séances du 7, du 14 et de ce soir. Ça fera partie du rapport de consultation qui sera publié, qu'il faut produire rapidement pour permettre à la Ville de réviser ses règlements selon vos commentaires et préoccupations. Donc voilà pour les prochaines étapes. Je vous remercie d'avoir participé à cette dernière séance. Et sachez que c'est important pour la vie démocratique de votre ville. Donc c'était apprécié. Bonne fin de soirée à toutes et tous.